Do you fuck my wife? On me demande de tuer, alors je tue. Alors écoute-moi. Apprends de moi. Bon sang, c'est Jason Bourne. Fit Again 2, un film qui sortira quand dans les salles, Xavier? 2030, je pense. 2030. Vu l'état, vu l'avancement du poil de la bête. C'est propre, il s'est fait chier le petit dame. Il a fait ça vite en plus. Hein. J'étais même pas au courant de ce film, alors que je suis quand même l'acteur principal. Quoi. Ouais, c'est ça qui est drôle. Hein. Mais quel réalisateur! Et d'ailleurs, Risotto et David qui sont devenus aujourd'hui des réalisateurs de films d'action. Quoi. Ça, c'était beau. Quoi. En faisant. Dans quelle émission, Zoulou? Parce qu'on n'a pas bien compris. C'est à quelle heure? C'est quelle émission avec quel présentateur star? Attendez, j'ai prévu d'en parler après. Évidemment. Mais moi, je voulais commencer aujourd'hui, quand même, pour, en revenant sur le qui veut gagner des bitcoins, qui a été magnifiquement mené par. Merci. Pas par nous, en fait. Eh ouais, mec, eh ouais. C'est vrai que vous êtes les seuls. Le pire, c'est que tous les sondages étaient contre vous et vous avez gagné. Quoi. Putain, ça, c'est beau, quoi. C'est... Ça, c'est beau. Eh, Hugo, t'as été magnifique hier. T'étais magnifique. Eh, on peut voir la photo. Petit grain de beauté, là. Avant, après, quand même. Direct après, hein, c'était horrible. Le petit avant, après, là. En vrai, c'était là. Incroyable, ce maquillage-là. Cette transformation. Cette gueule. C'était la perruque, en vrai. Le pire, c'était le avant, quand même. Non, les yeux aussi, mec. Mais la perruque est insupportable, ça te gratte constamment et ça te donne ultra chaud. Mais merci encore une fois à toutes les personnes qui sont venues et aussi aux influenceurs qui étaient au rendez-vous parce que c'était vraiment sympa, ça s'est très bien déroulé et je suis très content du résultat. Donc il y en aura d'autres. Yes, oh là là. Cool. Ah, il y en aura d'autres, attention, il y en aura d'autres si on ne reçoit pas un mail de TF1 demain. Mais peut-être. On n'a rien reçu, ça va. On n'a rien reçu pour le moment. Les jingles musique, sinon. Oui, j'ai vu les jingles, c'était les officiels. Quoi. Non, c'est nous qui les avons. C'est David. On les a fait à la fin. Ah, ça a été. David était là. Et ça ressemblait vachement, il le fait mieux. Ouais, il le fait pas mal, j'avoue. Il est bon, hein, il est très très. Ça te fait quoi de devenir présentateur d'une émission à succès, Hugo? Bah, en vrai, c'était stressant, mais j'étais un peu dans la sauce, mais franchement, ça s'est bien déroulé. On a eu des bons rebondissements. Le Maya Maïs, quand même, très grand moment, je pense. Mais tu sais que, C'est vrai? Oui, je sais. Je suis allé vérifier après. Mais attends, j'ai quand même un doute. Enfin, je me dis, est-ce que c'est pas un petit rigolo qui est allé modifier le code de Wikipédia? Sa mère. Valide. Quand la mère de Xavier valide, tu t'inclines et tu dis madame. Je suis un putain de génie, gros. Bah voilà. C'est tout. Mais en toute modestie, c'est vrai. Jason Bourne. En toute modestie, t'es un putain de génie, gros. Il s'arrête sur le plateau ici. Mais yes. Gros, mais personne. Vous êtes des singes. Mais non, mais ils avaient fait des sondages. Tout le monde disait Zoul et Max et Zoul. C'est parce qu'on aime bien. À 80%, ils vont perdre. Parce que c'est drôle de faire passer des mecs pas si cons pour des crocs. C'est tout, c'est le principe. Mais ouais, mais. Oh non, non. Voilà. En vrai, j'ai regardé le replay. On parle beaucoup de moi et de mon intuition sur la dernière question. Voilà. Mais Max, Max était très bon. Chaud, hein. Ouais, Max, c'était franchement, Max a été très très bon. Hein. J'ai fait une Slumdog sur le Maïs. Slumdog, oui. Une Slumdog. Une Slumdog. C'est pas grave. Pourquoi? C'est dit comment? Slumdog. Attends, demande peut-être à l'expert. Comment make frostbite a Gwen? Mais Slumdog millionnaire. Enfin. Ah ouais, t'aurais mieux fait de fermer ta gueule. Slumdog millionnaire. Mais ouais, sur le reportage, le maïs dans la bouche, je me suis souvenu de ça en mode. Attends, vu ça quoi. C'est d'où ça sortait? Bah, un reportage sur les mayas. Reportage sur les temples mayas. T'as eu une intuitanation assez ouf quoi. Full chat. Mais c'est le seul truc après sur le reste. En fait, la plupart des questions. T'as eu Michel Hazanavicius. Oui, mais ça, tu le sais, c'est tout. Tu le sais. Oui, mais t'as été bon. Yes.
Ouais, ouais, ok. T'as la chance de le savoir ou pas, c'est pas bon. Et en plus, Zulu est peut-être le candidat qui s'est le plus levé de sa chaise. Pour ah, ça. Mais ça, je suis désolé, c'est. Oh, oui. Moi, j'ai du mal à résister à la pression et tout. Enfin, je veux dire. Il n'y avait rien voilà, à gagner. Le fait de me lever, ça me. Il n'y avait aucune pression. Il n'y avait aucune pression. Il y avait Zary et Jimmy derrière qui étaient en mode. Merci toi, putain. Non, c'était en fait, terrible. Au début, non. Mais quand il était 55 et qu'il y avait 5 coupes derrière, on était en mode. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui va se passer? L'émission va finir à 2h. En fait, on a vraiment joué comme si on pouvait gagner de l'argent. Alors, évidemment, c'était. Du vrai, vous de vrai argent, vous on se fait. Serait cassé, je pense, bien avant. Je pense qu'à Luigi, on aurait fait bon, écoute, 12 000 chacun, 12 000 on est bien, salut tout le monde. Non, bah non. Voilà. Tant que t'as des jokers, tu y vas. Bien sûr, mais quand t'as des jokers, tu en manques. On aurait dépensé plus de jokers, on se serait assuré. C'est une semaine de travail chez le stream, Max, calme-toi. Pour Zulu, oui. Pour Zulu, oui. C'est vrai. Faut arrêter la diffamation, là, quand même. Mais du coup, pour la prochaine, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait des vraies associations et que du coup, il y ait vraiment. J'ai cru que tu dire des vrais participants. Des vrais joueurs, quoi. Mais qu'il y ait des vrais sous en jeu et que du coup, ça récolte des sous pour la sauce. Ce serait pas mal, on verra. On va essayer de faire ça pour la prochaine. Si tu perds, c'est toi qui donnes. Non. Après, le secret, il est simple hein, pour faire ça. C'est, tu mets et vous aussi, vous pouvez gagner 1000 euros en appelant au 3637 oui. Et en laissant le mot millionnaire. En posant une question du premier palier, comme ça, voilà. On est sûr qu'on a des appels. Et là, voilà. Tu peux engranger du pognon. Mais sinon, c'est pas Cédric Siri qui va faire. Bah. Oh, des vraies questions, allez. Les gars. Les des vraies questions, franchement, on donne. Je me suis dit, les 5 premières questions, vu que c'est le palier dans la vraie émission, tout le monde réussissait. C'était débile de faire des questions dures. Du coup, je me suis dit, de faire des questions à la. Non, c'était marrant ça. Je et les pas dernières, de... franchement. On n'est pas allé trop loin, mais je pense que c'était OK. La preuve, il y en a plein qui ont perdu. Donc, non, c'était OK, je pense. Non, c'est difficile à. J'ai trouvé que c'est difficile à doser la difficulté. Parce que normalement, dans Question pour un champion, c'est de plus en plus dur. Et des fois, j'ai l'impression. Par exemple, je crois que c'était sur le quiz oui, de Alicia. Merde, j'avais compris. De Alicia et DFG. Je crois qu'à un moment, ils ont eu la question. La deuxième question normale, c'était genre un truc avec le kitesurf ou je sais pas quoi. Oui. J'étais en mode, c'est trop dur. Par contre, la cinq questions après, c'était un truc assez simple. En fait, ça dépend des couples. Ouais, de toute façon, dans le chat, toujours, on a les mecs qui disent questions faciles. En même temps, les gars, vous avez Google, vous êtes chez vous. Voilà, et vous n'avez pas Jean-Pierre Foucault en face, donc c'est pas compliqué. Mais voilà. Quel fermé là, en fait. Il y a un petit débat. Que je vais mettre sur la table parce que je trouve ça intéressant. Il y a des gens qui disent « Ouais, bon, c'est bien, mais au final, c'est juste la télé qui arrive sur le stream. » Bah, justement, j'ai pensé à ça et je me suis dit que oui. En effet, d'accord. Eh bah oui. Mais c'est juste que la télé, j'en discutais avec Gigi aussi, je ne sais plus quand, mais il n'y a pas trop longtemps, et on se disait que la télé a des bons concepts, mais c'est des concepts qui peuvent très bien fit et parfois encore mieux fit avec nos personnalités et les gens qu'on a. Et franchement, hier, je pense qu'on a la preuve que ça a bien marché, que ça a bien marché avec le grand quiz. Je suis d'accord avec ça. Donc, pour moi, le souci de la télé, c'est pas les concepts, c'est pas la prod, c'est le ton, c'est la facture, c'est les milliards de filtres. Pour choquer personne, pour pas emmerder le CSA, machin. Comme nous, on s'entorche le cul, bah, c'est plus marrant. Bah, oui, c'est ça. Voilà. Et puis, on peut dire tout ce qu'on veut. Et puis, c'est ça qui est bien, en fait. Et puis, il n'y a pas de filtre, comme tu l'as dit, donc c'est très bien. Mais. En plus, c'est compliqué de faire vraiment des concepts 100% originaux, dans le sens où il y a énormément de choses qui ont été faites à la télé aussi. Tellement raison dans le chat. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une famille en or. Avec la famille Zoul. La famille Zoul, ouais. Trop drôle. Non, mais drôle. Genre, trop drôle. On déguise Max en femme, moi je fais l'enfant, Xari fait le grand-père, ça peut être cool. Hein. Ah, il peut y avoir des trucs drôles, ouais. Sans même... Non, mais en vrai, même avec nos vraies familles, ça peut être très drôle. Par contre, moi je suis curieux, parce que t'as émis l'idée d'envoyer un SMS 83838, taper millionnaire pour gagner 1000 euros, et puis ça fait monter une cagnotte et qu'on offre après aux associations. Ou juste ouvrir des dons. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une vraie mécanique à mettre en place ? Ouvrir les dons et dire, tous les dons que vous faites, soir sont reversés. Bah, y avait par exemple le PPUBG que j'ai fait il y a pas longtemps avec Terra et tout, et il y en a certains qui l'ont fait aussi, de le stream. Ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait top 1, il y avait 500 repas offerts. Ça, c'est une mécanique qui est intéressante. Si vous atteignez certains paliers, il y a tant de repas qui sont offerts, etc. etc. Ça peut être intéressant. Quoi. Qu'est-ce que tu as dit ? On a fait 0 top 1. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai fait un top 1 avec Terra. Alors, bien joué. Respect. Mais on a transformé les top 2 en. Oui. Il y a eu mécanique. On a zigzagué parce que c'était dur. Heureusement. On avait des manettes. Voilà. Ah oui. Très, très compliqué. Et puis, c'est kiffant à faire, les émissions. Franchement, je suis désolé. Mais Gigi, comme moi, comme Max, quand il présente des trucs. Ou quand Zulu caste des trucs aussi, on kiffe faire ça et c'est l'intérêt. Donc, et puis le but aussi, c'est de le faire sur le ton de la parodie, même si c'est pas une parodie totale, comme a pu faire Gad Elmaleh sur le qui veut gagner, c'était quoi ? Qui veut gagner de l'argent en mars. Bon voilà, même si c'était pas une parodie totale, on s'est quand même tapé une bonne barre. Par contre, j'avoue que sur une famille en or, gros, tu prends la famille de Xari, t'as perdu quoi. Mais moi, j'aimerais bien faire un que des profs là-dedans, t'es baisé. Un Koh-Lanta, le stream, ce serait stylé, tu vois.
Genre Zulu qui bouffe tout le riz le premier jour. Et, là, et au fond, au fond, t'as Olivier qui est là. Oh, le budget, les gars. Oh là 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 là. Oh, compliqué. Bah, en vrai, un Koh-Lanta, ouais, c'est marrant. Quoi. Zulu à Sarcelles. Bon, là, c'est pas. Zi Koh-Lanta. Zulu à Sarcelles. Voilà. Non, laisse tomber. Ne rebondis pas sur cette balade, le gars. Bon, on peut commencer cette émission ? Mais oui, on peut commencer. Allez, on y va. On est sur les réseaux sociaux. Oh là, oh bah c'est, ça coupe net quand même. Hein, ouais, c'est le Japon en fait. C'est bizarre, mais bon, ça c'est pas. Bon, aujourd'hui, vous le savez, on va annoncer la nouvelle programmation de le stream. Et voilà, moi, juste avant qu'arrive Menro, parce que Menro va arriver dans quelques instants pour vous la présenter, eh bien, bah, je voulais vous la dévoiler, tout simplement. Voilà, elle a été diffusée sur les réseaux sociaux. On s'est vraiment creusé la tête. On avait vraiment envie de faire mieux que d'habitude, mais d'aller plus loin dans les concepts. Allez, où la vanne, parce que j'arrive pas à lire, du coup. Ah ouais, bah si t'arrives pas à lire, c'est chiant. C'est que des petits trucs, frère. Si t'arrives pas à lire, c'est chiant. Bah. Que de calembour, oh. Quelle blague. Oh là là, mais non, ce n'est pas la vraie prog. C'est vrai que du coup, ça marche moins bien si tu peux pas la lire. Bah, mais... c'est marrant, putain. Ouais, bah, voilà, bah, il y a PewDiePie, du Ninja, ah. Dimanche, lecture publique de Guerre et Paix de Tolstoï, découverte les timbres, club yoga, et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en vrai... J'ai ma programmation de Zulu IRL pour les mois à venir. Il y a la moitié des trucs que je peux reprendre, tu vois. Enfin, du Molki, je peux faire. L'acrogym, je peux faire. Atelier poterie, je peux faire. La lecture, Louis Labrocante, tu le fais pas. Non, la lecture, je sais pas. Louis Labrocante, genre. Aviron par équipe. Bon, je suis tout seul, mais ça se fait. Javelot en studio, bon, t'enlèves le studio, ça se fait. Les activités de la vie, quoi. Scrapbooking, ça se fait. Enfin, tout se fait, c'est ça qui est trop bien. Tu peux tout faire en Zulu. Je suis tout seul. Non mais si je suis tout seul, je peux pas le faire en équipe. Son émission lui monte à la tête là. C'est lui qui porte son émission. Ok, c'est quoi la semaine prochaine 25 000, le pole c'est dance. C'est le pole dance. Et je le fais à qui? Pas toi, parce que t'as refusé. Voilà, donc déjà. Voilà. Non mais je voulais remettre un truc. Je voulais remettre ça en place déjà. Bah, si tu veux, la prochaine fois, je fais un truc. Xari mange sa merde, est-ce que tu veux? Bah non, c'est Xari mange sa merde. Bah, voilà. Je veux bien venir. Bah ouais, bah, moi je veux bien venir dans Zoli RL, mais j'ai pas envie de faire le pole dance. Oh, il t'a détruit là. C'est vrai, c'est vrai, Xari. Et tu sais. Non, ferme ta gueule. J'ai pas le temps. Non, mais over. Oh, ging, ging, ging. Désolé, ta répartie était trop lente. Non, c'est non, vrai. Non, mais Xavier, laisse-moi. Moi, je vais lui ouvrir mon cœur. Je vais lui ouvrir mon cœur, voilà, parce que je peux pas. Je peux pas rebondir là-dessus. Non, j'avais proposé. On m'a proposé de partir une semaine au ski. Ça s'est proposé pas fait. Ton nom, malheureusement, ça s'est pas fait. Gros, ah, bah, c'est, je sais. Plus, quoi. C'est pas grave. Moi, je t'emmènerai au ski, mais parce que t'es mon ami, en fait. Voilà. Quel bâtard. Bah, allez, t'as perdu. Avec Zari, comment on écrit kinésithérapeute? Avec un H. Avec un H. Ouais, bah, mais non, j'avoue que ça m'a surpris que tu le tiltes pas. Bon, j'ai répété déjà ça 20 fois, mais je pensais que c'était une exception, en fait. Ah, ouais. Et du coup, je me suis dit, non, Xari qui s'incline sur une faute d'orthographe, sa mère va le défoncer. En vrai, je suis pas très... Oui, ma mère en avait défoncé. Il est déshérité, là. Je suis pas très fort en orthographe, en vrai. Enfin, je suis pas... Moi, ce qui me choque plus, c'est plutôt les fautes... C'est les fautes que tout le monde fait. Partie passé infinitif. Non, tu fais FAIT. Non, mais les fautes du genre un espèce et tout, ça me choque. Ah, oui. Ah, oui. Mais ça veut pas dire que je suis pas en orthographe. Quoi. Et tes darons sont profs tous les deux? Oui, ils étaient profs, ouais. Ah, ok. Ça a baisé dans la salle des profs, apparemment. Absolument pas, ils sont absolument pas rencontrés. Non, pas du tout, rien à voir. Rien à voir. Il t'a mis un snap, respecte par le bureau. Non, ils ont été profs, mais pas au même moment, ni même période. Ah, rien à voir. Ils ont croisé les flux au bon moment, quoi. Quel beau garçon, mais franchement. Et maman de Xari, comment elle s'appelle ta maman? Non, on dit pas, elle n'aime pas trop son prénom. Bernadette. Si Bernadette sur le stream, vous avez vraiment un magnifique garçon. Il en fait mon repas quand il veut. Oh, en Zulu IRL, peut-être. Oui, bon, exactement. On va aller mettre sur un autre site. C'est parti. Next. Bon, on va revenir un petit peu sur le classement Twitch au niveau des vues par jeu, avec Gotaga qui fait un point, parce que bon, on connaît l'arrivée de Apex Legends, hein, qui a bousculé un petit peu le truc. Et mine de rien, c'était pas le tweet qu'il y avait en dessous. Il y avait un autre tweet avec un... Ah voilà, ce classement Twitch, il fait quand même un petit point sur la situation. Il dit quoi, Fortnite, sérieux, Fortnite, 7e
Au niveau du classement Twitch, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ça, non? Ouais, ça faisait ça fait du bien un peu, non? Oh putain, mais là, il faut intervenir. Parce non, que... mais non. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ma mère, en fait, s'appelle Bernadette, en fait. Oh non, j'ai random. Non, non. J'ai fait un coup de poker, Slumdog millionnaire. Comme du coup, là, je vois les mecs dans le chat, ça se trouve, Lily, elle va être en mode, hey, comment elle sait? Oh putain, ouais. J'ai eu de la chatte. Voilà, elle aime pas trop son prénom et lui, il a dit le seul prénom, ouais, c'est le sien. Donc, bah, du coup, je me suis dit, elle aime pas son prénom. Ok, Bernadette. Bien joué. Joli Bernadette, ça va. Oh, c'est pas fou. C'est le nom d'une première dame de France, c'est pas moi. Moi, je m'en fous, hein. C'est elle qui aime. Bernadette, c'est cocasse, c'est jovial. Ouais, bah. Giselle, moi, je préfère que ça s'appelle comme ça que. Plus violent. Que genre Parpin, quoi. Mal baisé. Fais gaffe, non, alors fais gaffe, parce que si elle se trouvait à dire. Alors, le problème, c'est que son deuxième prénom, c'est Gisèle, et là, tu vas être déçu. Bah, okay. Mes condoléances. Mes condoléances. Ouais, c'est assez. Exactement. Bref, voilà. Hugo Mentaliste. Pardon, Zulu, tu peux continuer. Pardon, non, non, mais voilà, Gotaga qui. Oui, donc 7ème, que je disais, ça fait du bien, pas parce que j'aime pas Fortnite ou que c'est un mauvais jeu, machin, pas du tout. Je pense que c'est un excellent jeu, c'est juste que, comme beaucoup, je pense. Je pense que c'est très mauvais d'avoir un jeu qui encule tous les autres. Oui. C'est, je pense que c'est la même chose à l'époque de League of Legends, même si League of Legends est un excellent jeu. Et du coup, c'est toujours agréable de voir ça. Alors, j'allais en parler après, mais effectivement, c'était dans les news. Epic Games, oui, Rizzo m'a dit ça, a acheté le mot Epic Legends sur Google. Apex Legends. Oui, Apex Legends. Donc, du coup, quand tu tapes Apex Legends, tu tombes sur Fortnite en premier lien. C'était génie, gros. Non, c'est juste leur travail. Non, c'est pas des génies, c'est juste les mecs d'Apex qui sont très cons de ne pas l'avoir acheté. C'est du SEO de base, pour le coup. C'est pas eux qui sont des génies, c'est plutôt. C'est du SEO de base. Des mots la base, en fait. T'achètes ce que. Mais j'en sais rien, non, mais je sais. Attends, on va se rappeler ce qu'il a dit au début de l'émission. Mais je suis un génie. Je suis un génie. On peut acheter des mots. Que tu présentes une chronique sur les réseaux sociaux, non, connard, mais ça... en disant non, mais ça. Tu sais que l'URL, le stream, on la paye, hein. Comment? Tu sais que l'URL, hein, le stream, on la paye, hein. Mais merci, connard, on l'URL, le stream. Non, mais les noms de domaine, je sais. Mais je savais pas que vous pouvez acheter des mots pour se faire référencer. Si, bah c'est même ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est comme ça que Google est riche, en fait. Achète carte Yu-Gi-Oh et tu vas être le roi du pétrole. D'ailleurs, si tu veux faire perdre de l'argent à des gens, tu peux, à chaque fois que tu cliques, tu tapes rachat de crédit, tu cliques sur tous les liens et ils perdent 20 balles à chaque fois. Enfin, 20 balles, je dis un chiffre au pif. Mais... parce qu'en gros, c'est les mots qui coûtent le plus cher. Voilà, c'est dans un reportage, j'ai vu ça. Non, mais vraiment. Jingle. Non, mais vraiment. En gros, il y a certains mots, genre si tu tapes, je sais pas moi, ornithorynque, tu peux techniquement, si tu vends des pots d'ornithorynque, peut-être que tu peux acheter le mot. Mais en gros, apparemment, le mot qui coûte le plus cher, enfin les pubs qui coûtent le plus cher à mettre en top résultat, c'est des trucs de rachat de crédit, des trucs comme ça. Et du coup, à chaque fois que tu cliques dessus, ça coûte cher, quoi. Si t'achètes un mot, genre comment, parce qu'il y en a plein qui tapent comment fait-on pour machin, comment on fait la béchamel, etc. Est-ce que tu peux vraiment acheter le mot comment? Non, ça veut rien dire. Je sais pas. Après, moi, je pense qu'en fait, j'ai jamais fait ce boulot. Mais... je pense qu'il y a tellement de gens qui ont mis des thunes sur comment qu'au final, ça se régule, ouais, tu vois. Genre, ouais, je ça pense. Se stack et tout. Je pense. Après, il faut être stratégique. Enfin, ah, oui. Alors, c'est intéressant d'acheter comment, quoi. Oui, comment ça marche, oui, exactement. Exemple, ouais. Tous les sites d'astuces, comme j'aime en fait. C'est ton boss, hein, fais gaffe. Oui, il a le droit de vue ou de mort. Mais avec toi, j'ai fait 25K hier, donc je peux l'insulter. Oh là là, oh, yes. Ça marche comme ça, toi. Alors, j'ai fait. Oh là 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 là. Apparemment, on a. Eh bien, profite, un mot de au revoir peut-être pour Hugo. Bah, juste au revoir. Non, non, mais revenons sur le sujet avec ce fameux screen. Du coup, il en dit quoi, Gotha? Alors. Bah, Gotha, il dit que les gens se trompent en mode. Enfin, beaucoup de personnes se disent ouais, Apex va passer devant Fortnite. Mais n'importe quoi. Non, mais en fait il y a deux jeux qui peuvent coexister. Enfin, je veux dire, ça, l'un n'empêche pas l'autre, tu peux jouer à deux jeux, etc. Je crois, alors j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que le screen, il a été fait quand il y a eu des problèmes. Hier et avant-hier, il y a eu des problèmes avec Orange et des gens n'arrivaient pas à se connecter sur le launcher Epic. Et je crois que le screen a été pris à ce moment-là. Donc ça joue. Bon, après, attention, les viewers français. C'est pas non plus. Les Français sur Fortnite. Sur Fortnite, oui, d'accord. Bah, même si les Américains font des jeux beaucoup plus gros, bien sûr, bien sûr. Et puis, le jeu est sorti il y a 3 jours, quoi. Enfin, c'est OK, Apex est devant, mais le jeu est sorti il y a 3 jours. Il y a deux trucs. C'est que, un, effectivement, le screen a sûrement été pris au pire moment. Oui. Deux, le jeu vient de sortir, les gens, ils ont envie de tester. Oui. Ça leur change un petit peu de Fortnite. Et trois, les plus gros streamers, ils streament sur Apex parce qu'ils sont payés pour. Oui, parce qu'il y a la AI aussi, et du coup... Exactement. En fait, ça snowball, mais en soi, c'est, ce screen, il aura de la valeur. Parce qu'il y a bien le jeu aussi, hein, le jeu est pas mal. Le jeu n'est pas mauvais, je dis juste que... peut-être que des fois, ils se diraient, j'ai envie de jouer une heure à Apex, une heure à Fortnite. Bon, ils font 2 heures d'Apex parce qu'après, il y a un billet. Donc. Il y a aussi qu'ils ont joué, ça fait un an qu'ils jouent à Fortnite. Donc aussi, quand ils ont un nouveau jeu qui est bien, ils jouent juste au nouveau jeu qui est bien aussi. Quoi. Parce que quand tu es streamer et que tu joues à ça, il y a plein de streamers qui jouent parce qu'ils aiment bien le jeu et parce qu'ils ne sont pas forcément payés, mais juste que... Domingo a l'air de vraiment kiffer pour le coup.
Bah tout le monde, hein. Gotha, Gotha a l'air de bien kiffer. Là, il y a Mikalo qui se attends, là, c'est actuellement c'est le stat actuel. Il y a 255 000 personnes sur Apex et 150 sur Voilà, ça a déjà plus de sens. Voilà, ça a déjà plus de sens, tu vois. Genre, ça joue déjà, quoi. Et puis... Je pense pas que ça va marcher. Puis tu vois comme là je pense si tu cliques au niveau des États-Unis, genre il y a Shroud à 80K, tu vois, genre rien que ça. Shroud c'est bien parce que lui en gros il était ultra top of the top sur PUBG, Fortnite, ouais. Bon bof. Et là hop un nouveau jeu, ouais, de ouf. Yes. Non, mais ça c'est beaucoup, hein. Lui, apparemment adore, c'est genre le boss. Hein. Il adore les FPS donc en même temps ça tombe bien pour lui. Mais vraiment, je pense que ça fait tellement de bien aux mecs qui ont mangé du Fortnite nuit et jour pendant des semaines, des mois. Mais j'ai vu une vidéo justement là-dessus, il y a quelqu'un qui m'a tweeté une vidéo où c'est un mec en gros qui parle notamment de Summit. Qui du coup, qui s'était mis à Fortnite, qui avait joué jusqu'à avoir envie d'en vomir, quoi. Et il supportait plus le truc. Pareil pour Dr. Disrespect, qui, pareil, il avait plus envie de jouer au jeu. Et en fait, il n'y a pas beaucoup joué au final. Non, pas trop. Je trouve que ouais, Disrespect, il y a moins joué. Que ça la vie de saoulé, je pense. Ouais. Mais du coup, Summit, qui en gros s'est dégoûté du jeu, mais en gros, il voyait que dès qu'il jouait à autre chose, bah, il faisait moins de vues. Ça marchait pas. Du coup, ça lui cassait les couilles. Et qu'à un moment, il a fait une petite pause. Puis il a décidé de reprendre en disant, bah. Tant pis, je vais mettre en priorité ma santé mentale, vais me faire plaisir, et puis bah, je gagnerai un peu moins d'argent, et puis c'est la vie. Et en fait, il s'est mis à tryhard à fond Sea of Thieves, et en fait, il tapait des barres sur le jeu, il prenait vraiment du plaisir. Et en fait, au fur et à mesure des jours, des semaines, bah, il s'est mis à ravoir les vues qu'il faisait habituellement sur Fortnite ou PUBG, mais sur Sea of Thieves. C'est ouf. Et du coup, la conclusion de la vidéo, c'est... juste si tu t'éclates, les gens s'éclatent, ça mettra peut-être un peu de temps, mais juste te fie pas à un stream, si tu ne t'amuses pas sur le jeu, de toute façon tu vas perdre tes viewers, donc voilà, la vidéo était intéressante, enfin, elle était bien montée en tout cas. Voilà. Il fait beaucoup moins de live qu'avant, c'est vrai ce mythe. Ouais, il est en mode, bon, faut juste que je live quand j'ai envie de live, c'est un jeu que j'ai envie de live et que je tape des barres et ça marchera. En tout cas, selon Gotha, voilà, il nous dit, vous inquiétez pas, Fortnite est et restera le leader plusieurs mois encore. Ils ont la recette secrète du Krusty Krab qui nous fait tant kiffer. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous pensez que Fortnite, là, ils vont laisser passer la vague Apex Legends, ça va s'essouffler un petit peu, ils vont revenir devant encore pour longtemps, ça vous va ? Il y a déjà des petits signes qui parlent, tu vois, Fortnite, quand c'était sorti, instantanément, il y avait des annonces de mise à jour, il y avait des patch notes, mais genre, très rapidement, tu vois, les jours qui suivaient la sortie. Là, le jeu est sorti, il ne parle pas encore de patch notes, tu vois. Il n'y a pas encore de... Non. Sur Apex, non. Si. Ah si. Il parle de patch notes sur Apex ? Alors peut-être dans ce cas c'est de la merde, mais un fox de la part Ponce Fess, pour moi ce sera un non. Je suis désolé. Mais ça a été annoncé quand, c'est après ? Il y a eu une roadmap hier, et même, je te dis, jour 1 et jour 2 de l'ouverture du jeu, ils étaient en mode, bon alors voilà ce qu'on a repéré sur le jeu, voilà ce qu'on va changer, machin. Ah oui, d'accord, oui, mais noter les choses, oui, d'accord, mais... Bah, ouais. Ok. Non, mais ça dépend ce que tu appelles un patch note. C'est une mise à jour avec des ups, des buffs, des modifications, oui. Mais si ça a été annoncé, j'ai joué avec Skippy et il me dit qu'il n'y avait pas de patch note, donc je pensais qu'il n'y en avait pas. Enfin, il m'a mytho, gros. Écoute-le pas, gros. Bah, je l'écoute plus jamais. Non. Mais moi, j'ai testé le jeu tout à l'heure pour la première fois et j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas trouvé ça insane. Genre, j'étais pas en mode, ouais, je vais spam le jeu, je trouvais ça sympa, quoi. Ouais, après, c'est les goûts et les couleurs. On a le droit de pas aimer le jeu du moment aussi. Non, mais les BR, en fait, c'est les BR, quoi. Moi, j'adore les BR, il y a aucun souci, mais tu vois, genre là, je me disais, overdose, c'est cool, mais putain, c'est encore un BR, quoi. Genre, ça me gonflait, en fait. Ouais, on va en manger pendant encore pas mal de temps, je pense. C'est vraiment fort cool. Probablement. Tu parlais de Division 2 où tu disais, ah, ça bite déjà parce qu'il était quatrième, parce qu'en ce moment, en gros, c'est la bêta privée de The Division 2 qui est disponible pendant 3 jours, je crois, un truc comme ça. Après, ça n'a rien à... Enfin, on sait que The Division 2 sera jamais dans le top 10. Enfin, oui, il sera 10e, quoi. Je dis ça aussi parce que tout à l'heure, j'ai regardé Gob et Shones y jouer. J'ai l'impression que c'était une mise à jour du premier, quoi. Mais on le sait. C'est pas une surprise, quoi. C'est énervant, en fait. Ouais, mais c'était voulu. C'est ce qu'ils veulent faire et c'est ce que demandent les joueurs. Bah d'accord, mais du coup, moi, je ne vois pas l'intérêt. Par exemple, moi qui n'avais pas forcément aimé le premier... Ah bah, c'est pas fait pour toi. Bah ouais, mais c'est con. Ouais, c'est dommage. Oui, mais c'est pas leur but. D'accord, mais je te dis juste que c'est juste dommage d'un plan de com' de pas essayer d'aller chercher des gens que ça n'intéressait pas en faisant un truc... Sauf qu'en faisant ça, ils vont perdre les gens qui aimaient le premier. Peut-être. Et du coup, c'est pas leur but. Mais du coup, j'ai regardé ce matin leur stream et ça m'a pas... En fait, pour un mec comme toi qui a pas spécialement kiffé le premier et qui va vouloir un jeu de ce genre, bah là, tu vas peut-être plus te diriger vers Anthem, du coup. Non.
Bah du coup t'aimes juste pas les shooters à loot en fait. Non, pas trop. Bah voilà, okay. Fin de l'histoire. C'est vraiment, bon, c'est... j'aime pas les FPS, hein, mais je comprends pas pourquoi ils font FPS du coup. On va passer à la suite, tweet suivant mon bon Zoul. Alors, tweet suivant, attends que je retrouve juste ma page, je suis perdu dans mes onglets, c'est terrible. Oui, je voulais vous parler de Tot, le créateur de Dofus, qui hier a fait un communiqué sur son Twitter personnel. En effet, je vous ai parlé du serveur temporaire qui est sorti il y a quelques semaines de cela, une semaine ou deux, ouais, une semaine et demie. Et en fait, il y a une autre grosse mise à jour qui est sortie quelques temps auparavant sur Dofus, qui s'appelle les Songes Infinis. Pour petit rappel, hein, c'était la grosse mise à jour quand je suis allé chez Ankama faire la visite. Donc ils ont sorti ça, ça fait un carton, les joueurs ont bien kiffé. Sauf que Ankama ont mis à jour un truc dans les songes qui font que tous les top joueurs ne jouent plus aux songes parce que ça a cassé le truc selon eux. Ça fait quelques semaines qu'ils montent une fronde sur Twitter à base de tweets cinglants contre Ankama en mode... vous avez juste baisé le jeu, c'est chiant. Et hier, Tot a posté ce message juste en disant « Ok, désolé, on a merdé, ça me fait mal de l'admettre, mais vous avez raison. On est en train de mettre en place des moyens de communication pour faire passer les informations et puis aussi pour en récolter de votre côté. Veuillez m'excuser, je vais essayer de vous écouter la prochaine fois. » J'ai trouvé ça déjà inattendu, mais aussi hyper cool de Todd de faire ça. Alors, c'est peut-être pas le premier à le faire, mais pour le coup, ouais. J'ai déjà vu 2-3 tweets de Tot qui étaient bien cinglants sur Twitter à répondre à des gens en mode là c'est un sacré mea culpa, il a pris ses couilles, il les a mis dans une petite boîte et il a fait tenez, vous avez raison. Moi je trouve ça bien, je suis le premier content effectivement de voir qu'il puisse faire ça, quoi. Parce que sur Temporis là il y a une grosse hype, c'est bien remonté. Alors, j'ai l'impression que ça va pas trop dessus. Les chiffres. Ça va pas trop Ankama en ce moment. Ouais, en fait. Les chiffres montrent et prouvent que oui, effectivement, Dofus n'est pas au mieux de sa forme. Après, pour parler de serveur Temporis, le serveur Temporis, ça marche, mais je veux dire, oui, c'est pas non plus les chiffres de Temporis 1 non plus, ou du serveur Elisael, qui était le tout premier serveur qui ressemblait un petit peu à Temporis. Après, je veux dire, ça plaît, il y a quand même eu quelques trucs qui ont déplu aux gens, le fait que si tu transfères ton perso, tu récupères pas le stuff ni le personnage, tu transfères juste l'XP. Ça a rebuté certains joueurs, mais c'est surtout les songes qui étaient leur grosse mise à jour pour les joueurs hardcore de ouf, et pas que, hein, mais je veux dire qui plaisaient de ouf aux joueurs hardcore. Ils ont modifié un petit chiffre dans l'algorithme et tout s'est effondré et c'est plutôt compliqué. Donc on espère compris. Ouais, c'est cool. Et on espère vraiment qu'ils ont compris et qu'ils vont modifier tout ça. Donc voilà. Bref, on va changer complètement de sujet avec ce tweet. C'était imprévu. Fais gaffe à ce que tu vas montrer, Risotto. C'est Jimmy Labeu qui a posté ça et qui a été repris sur le compte Twitter de Dorcel. C'est Jimmy Labeu qui postait un truc en mode ouais, pornstar et tout. Dorcel qui lui dit à quand un featuring avec Dorcel. Et Jimmy Labeu qui nous poste cette photo. 5 jours après. moins de 10 jours après. Plutôt pas mal. Le boss. Après, moi j'ai une théorie qui est sans doute absolument foireuse. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Dorcel a déjà fait réaliser un film par Babor l'éléphant, ou Babor le fan, je ne sais plus exactement. Ouais, okay. Et avec la participation de Monsieur Poulpe. Donc en gros, Babor, c'est un tweetos connu. Il avait tweeté Dorcel, et Dorcel a fait « Ah bah vas-y, viens, tu vas réaliser notre prochain film ». Il a mis Monsieur Poulpe dedans, et ils ont fait un film, ils l'ont sorti. Là, ils nous sortent ça. On n'a pas plus d'informations, mais moi je me pose la question parce que je vois sur la table un petit blanc manger coco et je me dis, est-ce que c'est pas une vidéo Jimmy Labeu X Dorcel, mais sur la chaîne de Jimmy Labeu en mode on joue à blanc manger coco. Attends, tu l'as vu où, le blanc manger coco sur la table? Sur la photo. Ah ok, j'avais pas vu. Il faut regarder. Je regardais les mains. Je t'avoue que j'ai pas regardé la table. Il y a quelqu'un qui regarde la table. Alors peut-être qu'ils vont faire ça et faire un truc sur la chaîne de Dorcel, ou peut-être pas, ou enfin peut-être l'un et pas l'autre, je sais pas. Mais moi j'aurais aimé que sur Twitch, là au moment où on a affiché l'image,
voir où vont les yeux de tous les viewers et mettre une zone rouge sur l'image. Ouais. C'est en mode, bon, bah, apparemment, c'est ici que ça regarde, les gars. Ouais, je n'ai pas vu le blanc manger coco. Moi, c'est ma théorie. Moi, c'est ma théorie parce qu'on le voit, le, ah, le ouais. blanc manger coco. C'est le spécial. Ah, voilà. T'es un inspecteur, toi, c'est pas possible. Ouais, je me demande. C'est une bougie ou non, c'est ça se trouve, il a juste plus dans les commentaires. Non, c'est une bougie. Okay. C'est une bougie, Hugo, je pense. Je pense. On verra. Voilà. Moi, j'ai mis ma petite hypothèse. Une OP, quoi. À voir, ouais. D'ailleurs, nous, on va y jouer à Blanc-Manger Coco. Oui, le 4... Bah, le 14 février, en fait. Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Bah, si, fermez ma gueule. Bah, mais... si, le 14. C'est pas grave. Si on a... À quelle heure tu n'as pas le droit de dire que tu vas faire de la pub pour un produit? Jamais. Tout le monde est très content de ça. J'avoue, mais je n'ai pas été invité, moi, d'ailleurs. Bah, désolé, gros. C'est présentable, une émission avec cette tronche. My bad. Voili, voilou. Oh, la pire conclusion. Voilà. Putain, on dirait les vieux cons dans mon village qui, voili, voili, qui te font chier dans la rue en mode hey, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens, et puis à la fin il fait bon bah voilà l'affaire, hein. On dirait un vieux con. Voili voilou. Voilà, peut-être nous faire un petit imitation on de ta mère son comme, parce que lui il fait quoi très bien sa mère qui parle un peu avec son accent. Je vais pas imiter mec et les rapports. Les quoi, non, mais, c'est une étrange. Que lui, non mais parce que lui il a fait un bel accent, mais toi tu lui sait faire bien les accents du sud. Non, mais il était avec les cagoles. C'est l'accent de ma mère en fait. Voilà. Ah, l'accent de ta mère. Qui me dit Aurélien. Genre des fois j'étais dans ma chambre et j'entendais Aurélien. J'étais à moi. Et puis, en fait, arrête pour de streamer. Arrête de jouer aux jeux vidéo. Un enfer. Aurélien. Allez, on passe aux news. Cagole. Quelques news, on va commencer par parler d'Apex Legends. Mais pourquoi? Parce qu'ils vont faire un Apex Legends Challenge. Tout simplement, c'est Twitch Rivals qui organise ça. C'est divisé en deux régions, la région Europe et Amérique du Nord. Ça réunira 48 streamers, 24 donc par région, dont Dr. Disrespect, Meat ou encore Shroud, bien sûr. Chaque région mettra 8 escouades de 3 joueurs qui participeront séparément à des matchs en ligne sur une durée de 4 heures. Ils vont devoir évidemment obtenir le plus de points possible. Jusqu'ici, rien d'absolument incroyable. La compétition, vous pourrez évidemment la suivre en ligne les mardis 12 et 19 février sur la chaîne Twitch Rivals, évidemment. Et ce sera de 18h à 22h pour la compétition européenne, puis de 22h à 2h du matin pour la région américaine. Il y a 200 000 boules à gagner. Ah ouais. Mais il y a des noms français ou pas du tout? J'en ai aucune idée. Oui, mais sûrement. Oui, oui, oui. Tu sais 200 000 dollars. Non, je connais pas, mais... 100 000 par région. Donc il y a 100 000 dollars. Je connais pas, mais il y aura les classiques. Quoi. Oui, ouais, comme Calo, Gotha et tout. Quoi. C'est pareil. Okay. En fait, les chiffres, ça se divise vite. Là, tu nous as annoncé 200 000, puis tu as dit 100 000 par région, en sachant qu'il y aura certainement, allez, on va dire 60 ou 75 000 au grand maximum pour le vainqueur, divisé par deux par les taxes. Enfin, je veux dire, voilà, c'est plus. Non, mais c'est vrai. Oui, je veux dire, chaque mec va gagner genre 8 ou 10 000 balles le premier. Oui, après, le jeu est sorti il y a 2 jours. Quoi, donc, ils sont 3. Hein. Non, mais c'est. Oui, carrément. Design, hein. Mais ce que je voulais juste dire que ouais, les chiffres. On annonce 200 000 balles pour le tournoi, et puis au final, oui, le gagnant. Bien il sûr, un tournoi t'annonce toujours le cash prize. Il ne dit pas ce que gagne le premier. Bien sûr. Les sports. Oh, 20 000 balles pour la Masters League. Non, le premier, il repart avec 8 000 balles. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais c'est pas mal. Il va perdre la moitié aux impôts. Et puis... Putain, mais ça t'a fait mal, toi, les impôts. Mais non, mais c'est pour ça qu'il veut aller ailleurs. Là, si c'était offshore, c'est pourquoi du coup. Il est riche comme Crésus. C'est imposé, les gains. Ça dépend. Les gains sportifs. Je sais pas. Oui. Alors là, oui. Olivier. Oui, c'est bien, bien imposé. Yes. Bon, bah voilà. Donc apparemment, il vaut mieux gagner aux jeux d'argent qui ne sont pas imposés. Arrête que ça arrive pas ici. Voilà. Mais bon, en même temps, gagner au jeu d'argent, c'est du. Ah bon, c'est chiant les lumières là, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, rester sur on. C'est quoi? On n'a plus l'électricité? Non, je sais pas, mais je peux tout éteindre et tout rallumer, mais je vais pas le faire maintenant. Quoi. Bah si, vas-y, gros. Cette TV qui s'en bat les couilles. S'en bat les couilles, c'est le principe. Voilà. Allez, alors, on va tout éteindre, vous avez pu nous voir, attention, c'est magie. Là, vous voyez Xari, et là... ah bah non. Ah, quand même. Ah, on a gardé les LED. En vrai, c'est cool. Il y a une petite ambiance. Ouais. Remets. En vrai, il y a un style. Mais ça va, remets 2 minutes, 1 minute, enfin 10 secondes. C'est énorme, quoi. Non, mais plan large. Plan large. Le large. Le large. Voilà. Ah, il y a un petit effet avec les LED, c'est sympa. Bon, on nous voit pas, c'est chiant. Mais je voulais juste voir, c'est bon, tu peux remettre. Bah, ça ressemble quasiment à la toute première émission sur le stream. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. C'est vrai qu'on avait des gros problèmes. Live, c'était terrible. Voilà. Bon, allez, sur ce, on enchaîne. Les jeux du Xbox Game Pass. Pourquoi j'en parle? Je suis un jeu intéressant qui. La Xbox 360. J'ai quoi, je dis Xbox? T'as dit Xbox. Xbox.
Ça va, chaque fois on va se reprendre. C'est quoi le truc? C'est chiant, là. Shadow of the Tomb Raider qui arrive du coup dans les jeux offerts pour ceux qui ont le Xbox Game Pass. C'est cool parce que le jeu n'est pas très vieux pour le coup. En plus, il y a un DLC qui est sorti il y a pas longtemps qui était plutôt sympa. Voilà, ça peut être l'occasion de le faire. Des fois, quand il y a un bon jeu aussi qui sort sur le PlayStation Plus, je le dis aussi. Bon, bah voilà, là c'est Shadow of Tomb Raider. Ça peut être l'occasion de l'avoir pour pas grand chose. Qu'y a-t-il ? Si on a des infos sur le calendrier de sortie du contenu post-launch de Anthem, puisqu'ils vont sortir un acte 1 qui aura lieu dès mars 2019. Donc c'est genre 2 semaines après le lancement, ils remettent du contenu. C'est pas mal. Je sais pas si le jeu sera bien, s'il y a des joueurs qui vont arriver dessus ou quoi, mais en tout cas, sortir du contenu moins d'un mois après la sortie du jeu, c'est ce qu'il faut. Donc c'est bon, très signe. Bien. Ouais, comme, c'est bon signe. Comme tu l'avais dit, hein, Ponce, sur Fortnite, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils montraient qu'ils étaient derrière le jeu, à l'écoute des joueurs. S'ils ne font pas, il y a de grandes chances que ça aide le jeu à progresser. Quoi. D'autant que si je ne dis pas de conneries, il me semble que le contenu est gratos. Donc c'est bien. Ouais, ouais. Voilà, ça fait plus intérêt de faire du contenu gratos, hein, avec ce qui s'est passé de toute façon. Ah bah oui, parce que vous avez peut-être entendu parler de ce truc. Ah, non. Il y a eu une polémique autour d'Anthem. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'es pour jouer aux 80% des fonctionnalités d'Anthem, tu es obligé d'avoir le Xbox Live et le PSN Plus. Oh. Sur console. Donc sûr. Sur PC, c'est gratos, jouer c'est sur bon. PC. Mais sur console, faut payer. Alors, ça a choqué quelques personnes. Moi, je vois pas le problème. C'est un jeu multijoueur. À quel moment vous pensiez que vous allez pouvoir jouer gratos ? Enfin, les précédents jeux, Destiny... je sais pas pour le précédent de division ou quoi, mais il fallait payer déjà, donc quel diff en fait. J'ai l'impression que les gens s'offusquent. C'est comme si on disait justement, j'avais vu la vidéo, c'était sur la chaîne de Julien Chies que j'avais vu la vidéo. Je me suis dit, mais il est où le drama en fait? Bah oui, je n'avais pas le drama. C'est parce qu'en fait c'est comme si on disait, tu vas au cinéma, faut pas parler. Et les gens sont quoi, faut pas parler? Eh bah oui, connard. Parce que tous les jeux multi, il faut le PSN ou le. Ah oui. Le jeu s'est vendu comme un jeu multijoueur. Donc voilà. En fait, Fortnite est le seul qui permet de jouer gratos. Je sais pas. Pourquoi ils ont bénéficié de ce droit? C'est les boss. Parce que, clairement, tu es bien content d'avoir Fortnite dans ton catalogue. Ah bah, forcément. Mais bon, du coup, ils se mettent très très bien. Anthem, il est sorti? Non. Non. Ah oui, okay. D'accord. Mais puisque sur Twitch, c'est un gouffre. Sur Twitch, il y a 66 viewers en ce moment qui dans regardent le monde. Il n'est pas sorti. Non, mais personne ne peut y jouer. Personne peut y jouer. Mais c'est pour ça. J'étais là en mode... Personne peut y jouer. Putain, si le jeu ne marche pas, sorti, quoi. C'est... Skyrim 6, c'est un gouffre. Hein. c'est un gouffre. Je crois que si le jeu, une semaine après sa sortie, il fait 63 viewers, on ne pourra plus jamais en parler. C'était tout hein, l'intérêt de ma démarche, en mode, et il est sorti, oui ou non, on dirait Rocky. Oh, le gouffre. Oh là là. Alors, d'après Siri, c'est tous les jeux gratuits, genre Paladin, Zadin, sur les consoles, tu n'as pas besoin non plus du PSN ou Xbox Live. Et bah voilà, il est merci justement Aurélien. Le jeu gratuit. Merci à toi, Aurélien. J'ai vu le chat. Aurélien. Ah, mais du coup, c'est ça. Ah, putain, mais mettez les jeux gratos, gros. Les gens vont y jouer, ils vont acheter du contenu. Arrêtez, faut arrêter les jeux payants, c'est terrible. Enfin, les jeux multijoueurs payants. Oh, attends, c'est vraiment terrible. Artifact est sorti. Mais Artifact, c'est un gouffre, frère. Artifact, c'est mort dans l'œuf, c'est terminé. Non, il a pas fait ça, il a fait. Oh. Alors 204 spectateurs. Ah, dans le monde, Artifact, gros. En France, non, non. Dans le monde, non. C'est le monde, ça. Hein, c'est que tu vois. En France, on a exactement 14. Ça, c'est pas mal. C'est le buzz. Hein. C'est le buzz. Mmh. Ah, bah, Valve, c'est alors, que c'est la chaîne, dans le c'est la chaîne officielle, mec, de Artifact, qui a 8 viewers. Et la deuxième, on a 6. Non, c'est Artifact FR. C'est la chaîne d'Afrogad, non peut-être, j'en sais rien. Enfin, c'est compliqué. Hein. C'est Steam en ce moment, bon, Dota 2, pente descendante, Artifact. Non, mais attends, ils ont encore CS quoi. En même temps, il y a Epic qui commence à enfoncer 2-3 cm dans le voilà, Steam qui est en train de se faire. Oh là là. Ça fait mal, ouais. Ah, si vous pouvez revendre, revendez tout hein, maintenant. Oh, passez à autre chose. Là. va te prendre des vacances aux Bahamas, ça fait autre chose, c'est fini. Hein. Oh, mon Dieu. C'est compliqué. Après, on dit c'est fini. Capri. Ce serait une belle preuve de comment dire une belle leçon et une belle preuve d'abnégation tu vois et de persévérance que Steam s'en sorte. Bah non, on va vous sortir encore des jeux et puis on va faire des mises à jour de Steam et tu vois qui reviennent comme des boss tu vois. Mais putain, la route elle est longue là. Bon, Half-Life 3 peut-être. Non, bah après ça va, ils sont pas à plaindre je pense. Non, ils sont pas morts. Ils sont pas à plaindre. Mais quand ta courbe elle a fait ça pendant 1000 ans et puis que d'un coup elle commence à faire ça, au moment où elle descend t'es en mode
Bon, normalement, tous les produits, ils font ça. Hein. Donc, au moment où elle commence à descendre, t'es censé... Je vais remplacer mes cuirs en diamant par du simple or. Genre, crois-moi qu'ils s'en battent bien les couilles. Je pense qu'ils sont encore en mode... Oui, Steam, c'est large. Ils pleurent comme ça, en mode... Je sais pas, mais quand tu gagnes énormément d'argent... Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Summit. On disait, ouais, mais enfin bon, c'est Summit, ça va. Oui, 7000 viewers, c'est déjà énorme. Mais quand t'as l'habitude d'en faire 25, t'as bien le seum d'en faire 7. Hein, non, mais je dis pas qu'ils ont le seum. Je dis pas qu'ils sont en mode. Ils sont juste pas en mode vendez tout et je vais aller aux Bahamas. Je pense pas. Mais non, c'est juste qu'ils réfléchissent à. Ils se disent juste, bon, bah, on va se serrer un peu la ceinture. Hein. Je vais acheter que 4 maisons. Ça va être dur. Compliqué. J'avoue, un Team Fortress 3 serait. Ah, je serais chaud. Non, un Left 4 Dead. Avec si vous avez envie de vous. Non, Left 4 Dead. Ça serait le feu, mais. De vous défouler. Sachez que Devil May Cry 5, que tu attends, je crois. Ouais. Eh bien, la démo est disponible. Elle devait sortir un petit peu plus tard, finalement. Elle est déjà dispo, les gars. Celle voilà. qu'on a faite en live ou... J'en ai aucune putain d'idée. Ok. Voilà, je vous dis juste que la démo est disponible sur PS4 et Xbox One. Oh, c'est terrible de devoir annoncer une nouvelle prog avec la lumière qui fait. Mais on a un hôpital désinfecté. Dans le but de l'émission du après, coup, dans les nouveaux studios, on n'est pas censé changer la lumière en plus. Bah non, donc ça va être. Hein? Ah. Ah, la lumière, tout refait ? Bah, on va les repositionner. Ah, mais... ah oui, mais c'est la même lumière. Donc... Non, mais si on a une qui merde, on va la changer. On parle vraiment technique en plein récup. Ouais, on s'en fout. Aurélien ! Aurélien, fait ! Après, une light, c'est 1000 balles, hein, donc ça va vite. Hein. Ok. Bah, c'est pas moi qui rack, c'est tout. Aïe, 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 aïe. Il a changé, mettez des lumières qui contrôlent la distance, comme ça, vous avez plus besoin de les bouger. Quoi. 10 000 balles. Olivier ! Olivier ! Ouais. 10 000 balles 10 000 balles, une 1000 balles la lumière fixe, que tu fais ça pour la bouger. 10 000 balles la lumière, qu'en régie, il fait un bouton et ça fait bzzz, en plateau, bzzz, récap, bzzz, qui veut gagner des millions. Ça fait mal, hein. 10 000 pratique, balles. Hein, quand même. Et 10 000 balles, quoi. Non. Bah, du coup, remets des Pringles sur le plateau, là. Vas-y, mets-en plus. Peut-être qu'on peut jouer là-dessus. On ne sait pas. On va essayer de gratter. Bon allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je vais vous... Non, ça c'est mort. Et ça c'est mort aussi. Ah si, non. Rapidement, le test de Gamekult sur Apex. Ouais. Parce qu'on avait vu le test de jeuxvideo.com. Eh bien, même Gamekult est très agréablement surpris par Apex. Ils ont mis un 8, qui est une très bonne note pour Gamekult. Voilà, ils ont mis très bon. L'impression qu'on a en jouant à Apex, c'est qu'il s'agit sans doute du Battle Royale le plus abouti à sa sortie. Et quelle bonne surprise. On sent que Respawn a pris le temps d'observer le genre évoluer ces derniers mois. Et ils y ont vu une opportunité de développer l'idée initiale en corrigeant les erreurs de ses concurrents. Il est nerveux, pensé de A à Z pour le jeu en équipe, bien rythmé, moins insipide et plus accueillant que son confrère PUBG. Le Battle Royale des créateurs de Titanfall est une évolution plus qu'appréciable du genre qui mélange un tas de bonnes idées de level design ou d'ergonomie pour proposer une vision digérée et plus mature du genre, une sorte de menu maxi best-of du Battle Royale qui se joue déjà très bien et prévoit d'étoffer son contenu au cours de l'année. On pourra lui reprocher un certain manque d'ambition, là où Titanfall osait proposer quelque chose de nouveau, et quelques écueils techniques qui nuisent à la compréhension du jeu. Mais sa sortie n'augure que de bonnes choses pour le genre du Battle Royale qui commençait à se reposer sur ses lauriers. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on voit Electronic Arts sortir un jeu avec des lootbox uniquement cosmétiques. Assez d'accord. Un petit pic sur la fin quand même. Oh bah, il mérite, hein. Il y a quelques crottes de nez quand même qu'ils n'ont pas encore essuyé. GameStop aka Micromania. C'est dans le dur, non ? Ne devrait pas tarder à se péter la gueule. Il dégringole en bourse et l'avenir de cette société est totalement remise en cause puisque dégringolade de 30% le 29 janvier dernier. Je t'envoie pas l'image, c'est chiant. Voilà, vous voyez là. Et pourquoi ? On a une raison. Ça se casse. Il y a un truc même particulier. Light, Max ! C'est chelou. On soulève et on bouge. Ouais, ouais. Okay. Et bah, pourquoi du coup ? What is the answer ? Bah, what is the answer, on ne sait pas. C'est juste qu'ils ne sont pas bien. Quoi. Donc, j'espère que Zing va leur permettre de remonter. Puisque Zing, pour eux, ça va plutôt bien. Le chiffre d'affaires a cru de 11% en 2017. Zing dong dong. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont s'en sortir juste avec des produits pop culture. Quoi. Blague raciste, ma gauche. Mais c'est pas une blague raciste. Zing dong dong. Tu stigmatises les gens. J'ai pas fait ça, j'ai dit zing dong dong. Oui, c'est ça. Oui. Bah.
Non mais on sait qu'ils arrivent. Il a décidé qu'il allait. C'est pas profond. Une blague, juste j'aime bien le. C'est fini. Bien bah, le dire. Ça t'a fait rire pourtant dès que tu l'as dit, t'as rigolé. J'aime bien le dire zing, zing zang zung. J'aime bien, c'est stylé comme prononciation. Mais... Voilà. C'est où j'ai pas fait comme ça. T'as fait zing, t'as fait vos pointillés, on y va. Casser les couilles, j'ai rien dit. Mais non, j'ai juste dit zing zang zung. Je t'ai vu. Je t'ai vu, mais il est terrible. Rien à voir. Allez, on termine avec un trailer. C'est celui du nouveau film de Samuel Lee Jackson. Ça s'appelle Shaft. Hi, I'm looking for Shaft. Mm-hmm. Who's asking? John Shaft Jr., your son. My son? Junior? Yeah. You know, they say that cat Shaft is a bad mother. Shut your mouth. Ignore him. He thinks he's a black James Bond. That dude was real. He'd think it was me. If you're gonna pursue this investigation, I'm gonna have to babysit your ass. Damn! Oh, look at here! How long has it been? Never long enough. Lady Syphilis, Madam Chlamydia. It's lovely to meet you both. That's Junior's mama. She a little bitter. Please tell me that you did not get our son involved in your bullshit. What is wrong with you? She picked up a bat. You can't beat up a woman. Why not? Because she's a woman. That's like misogynistic. You want being misogynistic? I ain't mentioning her gender. Okay. I'm an equal opportunity ass whooper. Oh! Damn. Oh, there's no non-violent people in Harlem. Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? You're damn right. Sash, you okay? Yeah. Boy, back in the day, we didn't need guns. All we needed was our bare knuckle. Damn, Grandpa. Well, you can't be too prepared. Let me get mine. Damn, you back here having a knife fight? Oh, hell no, I shot him. You damn right. What's up? Can you dig it? On tient à quand même voir le film, Xavi. C'est très marrant parce que j'ai dit zing zang zong. En vrai, ça m'a fait penser un peu à Kingsman, genre le ouais. Oh là là, derrière le tableau il y a plein d'armes alors que je me servirais que de la plus grosse parce que je suis le boss. Bref, ça. Bref, c'est un inspecteur qui existe depuis bien longtemps maintenant. Voilà. Et puis il y a eu plusieurs films Shaft. Samuel Lee Jackson l'a incarné en 2000 et pour le coup, il revient cette fois-ci pour aider son fils qui, comme vous l'avez vu, est plutôt un mec. Doué de ses mains sur les ordinateurs, et du coup, il va avoir besoin des méthodes musclées de son père. Voilà. Bien. Est-ce que vous irez le voir, oui, non ? Non, non, non. Question. Absolument pas. Yes ! Bah, énorme, du coup. Flemme. J'irai pour vous. Il y aurait eu Oh Snap dans le trailer. Oh Snap ! Je serais peut-être allé, mais... Allez, tout est dit, c'est la fin de CNews. On va laisser la parole à... Ah, mais non, il faudrait que Men revienne, parce que je préférais finir par des petites vidéos, en fait. Bah, ouais. Une chronique j'avais, Hugo, j'avais peut-être des choses aussi. Hein, donc. Bah, Men Hugo était là, il était là. On peut le montrer, Men, est-ce qu'il en a vraiment pour longtemps ? Ah, il est au téléphone avec Pringles. Non, là, il a fait le signe en mode « la prog est pas finie ». Ah, l'image est pas finie. Ok, d'accord. Bon, bah parlons de choses. Pas besoin de mettre de jingle vu qu'on va parler un petit peu jeux vidéo aussi. Il y a un trailer aujourd'hui qui est sorti pour Sekiro Shadows Die Twice. C'est le trailer cinématique du jeu. Il dure pas très longtemps. Je vous propose de le regarder tout de suite. C'est dans le Tricarizo. In the closing years of the Sengoku era, Japan was consumed by a perpetual conflict. What's the matter, Stray? Nothing left to lose? Well, would you look at that? Will you join me, starving wolf? That day, I pulled you from the battlefield.
I had no idea what you'd become. Ça arrive, les zigzagging un peu. À quelle image t'as? Tu vas l'acheter? Mais je m'en fous, putain. Ah, bah tu t'en fous pourquoi? Dis-le nous. Et parce que j'ai pas regardé le trailer. Voilà, il fera voilà, à la sortie du jeu, on lui mettra du scotch au coin. Ça va. Oh non. Putain, vous êtes. Comme quoi, attention, parce que les rumeurs peuvent aller bon train. Oui. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs la dernière vidéo de Squeezie. Si. Bon, je suis à deux doigts de bouillir. C'est sur les faux articles et tout. Et voilà, c'était intéressant. Mais c'est bien, en ce moment, il n'hésite pas à cracher dans le fion de plusieurs choses, c'est cool. Bah, cette année, il a dit, je fais ce que je veux, j'emmerde tout le monde. Et ben, il a raison. Ah, voilà. C'est très... autre truc, je suis tombé sur ça il y a quelques jours, c'était très sympa, donc je me permets de vous en parler. C'est une série sur YouTube, je crois que j'ai téléchargé la vidéo et c'est dans le tricat aussi, Rizzo, tu peux la mettre en fond pendant que j'en parle. C'est une série vidéo qui s'appelle War Stories sur YouTube, sur la chaîne Ars Technica. Baisse le son hein, pour pas qu'on entende trop. Et en gros, c'est des reportages sur des créateurs de jeux vidéo et ils vous expliquent en gros tous les soucis qu'ils ont eu pendant le développement, avant le développement, ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils ont réussi à faire. Et c'est très intéressant si vous voulez vous mettre à travailler dans ce domaine-là, parce qu'il y a plein d'astuces, plein de méthodes qui sont faites, comment ça se déroule pour faire un jeu vidéo. Et là, c'est sur Dead Space et je trouve que c'est l'épisode le mieux abouti, franchement, je vous invite à aller voir. Ça a bien marché, hein, 3 millions de vues sur cet épisode, il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a une dizaine. Et ça touche à chaque fois à différents types de jeux, donc c'est très sympa, je vous invite à aller voir. Je répète, c'est War Stories Ars Technica sur YouTube. J'enchaîne avec un autre truc sur lequel je suis tombé sur Twitter. C'est The Tet App. Le Twitter du mec qui est art director chez Santa Monica, donc qui a fait la création de Kratos et tout pour l'épisode de God of War. Il s'est amusé à refaire la plupart des persos de Smash dans son style. Et du coup, va sur son Twitter directement, c'est dans le runner. Tu vas dans ses photos directement et tu swipe pour qu'on voit le plus possible. Il en a fait beaucoup. Je crois qu'il a fait Deka, il a fait Diddy Kong, il a fait Daddy Doo aussi. Mais vas-y, swipe hein, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a son fils qui joue, on s'en bat les couilles. Là, il a fait Kirby. Bon, en même temps, Kirby, c'est difficile de faire quelque chose. Mais là, il y a King Karol, Diddy Kong et Donkey Kong. Je crois qu'il a fait Ridley aussi. Et Ridley, il est ultra stylé. Yoshi. Vas-y, continue. Ça, c'est lui. Je crois que c'est après Ridley. Voilà, ça, c'est Ridley. Papin, Diddy. King Karol aussi, voilà, Ridley. C'est ultra stylé et en plus il fait ça genre gratuitement quoi, c'est son passe-temps Pikachu. Donc je trouve ça plutôt stylé. Si vous voulez aller voir le mec, c'est Rafa Grassetti sur Twitter. Il n'hésite pas à partager souvent ce qu'il fait comme taf. C'est très très propre et on comprend quand même le bagou du mec quand même. Hein. Il a du taf. Z-bag. Ouais, Z-bagou. Ouais. Petite annonce pour demain, j'ai un créneau solo et demain nous allons speedrun en live RE2. Nice. Je vais Hugo essayer en dessous des 1 heure. Pas Hugo IRL. Bah justement, je me suis entraîné, je suis pile au-dessus d'une heure. S'il te plaît. J'ai 1h10 et je peux vraiment passer en dessous si je fais pas caca dans les couches. Donc demain on va speedrun et on va essayer de se placer dans le top 10 au moins. Ce sera Léon A, je sais plus, mais le premier c'est toujours le même, il fait chier et tous les jours il poste un record donc c'est chiant. Il fait que ça. Chômage. De toute façon, en gros, le mec qui est numéro 1, c'est toujours un mec qui fait que ça. Tu peux pas battre les chômeurs. Ah non, je peux pas. Les chômeurs, c'est les meilleurs. Sur Dofus, ils sont déjà bientôt au niveau 199. Comment il parle ? Je suis encore 103. Il a un coup d'œil. Sur Dofus, le jour, il faut être avec les guildes, compliqué. Il est fort, mais j'ai mangé l'anneau, il est pas sur le pompier. Alors, il le bouffe tout. Voilà, demain on fera ça, les gars, pendant mon créneau solo, on va speedrun RE2 et j'espère que ça se passera bien. Voilà, c'est tout. Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Ils sont déjà 200 ? Non. Non mais... je pense qu'ils te dépité. Mais je pense... Parce que d'accord, 200, le temps que tu mets à faire 199-200, c'est autant de temps que de faire 0-199. Enfin, c'est autant d'XP, quoi. Attends. Ouf. Oh, ils ont pas de... Non, vie. De vie. Oui, voilà. Vie. Ils ont un PC, c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un choix, hein. Ils sont forts. Cool, sois pas jaloux. Toi, t'as une meuf, tu rentres chez toi le soir et tu. Mec, j'ai 3 guildes. C'est bien. J'ai 3 guildes. Ah, j'avais autre chose. Ouais. J'avais autre chose. J'ai une alliance de 1100 joueurs sous mes ordres. Ils vont faire quoi là? Bah, me baiser la gueule. Mais t'es niveau voilà. Quoi? Ils vont te baiser la gueule parce qu'ils sont niveau 2. Ils sont déjà baisés en fait. En fait, ils sont pas sur ton serveur. Exactement. Ouais. J'avais autre chose et ça a l'air dégueulasse. Je crois que c'est l'avant-dernier lien dans le runner. Rizzo, si tu peux le mettre, c'est un tweet. Qui montre une image du tournage du film Monster Hunter. Ça a l'air caca, on dirait des cosplays de Japan Expo. Wow. Ouais, on l'avait vu il y a quelques temps, effectivement, ça date un peu. Mais c'est vraiment pas beau, je suis tombé dessus, du coup, j'avais pas vu. Attention, c'est une photo de tournage. Bien sûr. Les photos de tournage de Game of Thrones, gros,
Je sais, il n'y a pas de post-prod, mais bon, déjà. La post-prod, ça fait tout. Ça ne me vend pas du rêve sur le papier, à voir. Mais, tu changes un peu la colorimétrie, tu mets deux barres noires, paf, ça devient épique. Hein, donc, ouais, ouais. Méfiez-vous. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Il y a bien deux niveaux de sang. Bah ouais, c'est des boss. C'est quoi, un espagnol et... Non, je sais pas, je dis au pire. Bah, j'en sais rien, je connais pas leur nationalité. C'est deux cras. T'as l'air déçu. Et Héraclès. Non, mais c'est des dingues. Dit, il est blessé dans sa. Mais... Il est là. Tout ça pour ça. Tout ça parce que mais je non, fais mon émission Zulu IRL le jeudi, à 11h30, qui est basé sur ma personne, moi-même. Zulu. Je suis désolé, continue Hugo. Mais il n'y a pas de soucis. Mais il n'y a pas, de... c'est bon. C'est là, fini, on attend Ménro en fait. En fait, on est en full panneau. Elle est où cette prog de merde là? Oh, on attend les images. Bah ouais. Bah oui, mais c'est chiant. Apparemment, Krak, c'est quand même les archers et tout le monde chie dessus. C'est genre le perso de Noob. Les oui, Krak, oui, ça veut dire arc à l'envers. Putain. Oui, ils sont forts. Bien vu. Bien fort. Vu. Non, non, c'est. Toi, tu fais pas les émissions avec Genius pour rien. Hein. Non, mais c'est vrai, mec. On a raison. Non, en gros, c'est le perso facile pour monter parce que ça pousse les adversaires. Et du coup, si tu joues à 8 Krak, tu fais que pousser les adversaires. Ils t'atteignent pas et tu gagnes. Enfin, je veux dire, c'est. C'est le principe, quoi. Bah, viens quand même. On n'a pas les images, mais on va parler un peu, expliquer comment on a réfléchi à cette prog. Qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on n'a pas parce pu changer? Parce que là, gros, je vais. Qu'est-ce que je raconte? Ah, sinon, si, je peux vous raconter un truc, non, si non, vous voulez. Moi, j'ai. Je peux. Bah, non, le but, c'est que ça finisse l'émission. Non, mais c'est pas grave, regarde. Surtout que j'ai de la vidéo qui est pas mal. Hein. De cette jeune fille qui a décidé de mener une action il y a quelques jours dans Paris. Ah, mais oui, je te l'ai envoyé. Ah. Eh oui. J'ai hésité à en parler, je n'ai pas voulu en parler parce que j'avais peur. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est délicat parce qu'il n'y a pas de femme, pas de fille autour de ce plateau. Et non, du coup, on va donner notre avis de mâle blanc oppresseur, cisgenre européen, j'avoue, oppresseur. On est tous des oppresseurs très, très oppresseurs. Non, c'est terrible. Non, non, j'ai moins d'un mais 70, t'es pas oppresseur de personne. C'est terrible, mais c'est pas grave. Je vous propose de regarder quand même cette petite vidéo sur cette mais action. Tu oppresses les gens avec ton cerveau, en de, fait. De cette demoiselle... On regarde le chat. Voilà, c'est l'image choc instante. Ils ne prennent en charge les protections périodiques. Les règles nous conviennent tous. Et que, en fait, c'est nous qui avons le pouvoir de décider ce qui se passe. Parce qu'on peut nous dire qu'ils ne veulent pas payer pour nos protections, mais ils ne peuvent pas nous empêcher de ne pas les mettre. Les gens préféraient plutôt m'ignorer, me regarder un peu bizarrement, mais j'ai pas eu de remarques, honnêtement. En vrai, j'ai pas eu de remarques, sauf il y a eu quelques collégiennes qui m'ont vu dans le RER et qui, du coup, ont commencé à rigoler, à me prendre en photo parce que, bah, justement, c'est la honte, quoi, d'avoir une tâche, c'est horrible. Motivation pour faire ça, c'est parce qu'il n'y a que la moitié de la population qui doit payer les protections périodiques, mais bon. Mais du coup, ça veut dire que l'autre moitié peut employer cet argent à d'autres choses. Et du coup, ça crée une discrimination parce que alors que les personnes menstruées en dépensent entre 5 000 et 25 000 euros durant toute notre vie en protection hygiénique, c'est clairement des produits de luxe. Parce que du coup, même en ayant fait ça, j'ai reçu plein de messages de femmes qui ne sont pas des femmes de la rue. Certaines qui disaient qu'à une période, elles n'avaient pas d'argent et que du coup, elles se débrouillaient autrement, mais qu'elles ne mettaient pas de protection. Enfin, et ça, sans parler des femmes qui vivent dans la rue. Ce qui, évidemment, si on doit choisir entre manger et avoir des tampons, le choix est vite fait. Quelques jours, j'ai eu une visibilité immense, en tout cas sur mon compte Instagram. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on est en train de parler de précarité menstruelle. Et c'est ce que je voulais. Bon, voilà,
donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette vidéo pour résumer cette Non, en gros, la vidéo était hyper longue, ils ont tous compris. Oui, mais ils ne résument pas. Mais si, pour capter, il n'y avait pas besoin de 10 minutes pour capter qu'elle veut qu'on rembourse les protections pour les femmes parce que ça leur coûte cher tout le temps et que quand elles n'ont pas les thunes, bah du coup, c'est terrible. Toutes les femmes ne peuvent pas forcément s'acheter des protections. On a tous carrément compris. À savoir, selon le site Elle, ça représenterait à peu près 5 euros par mois au minimum. Pour 5 euros par mois, 60 euros par an. Du coup, ça me paraît pas. Bah, mais tout le monde ne peut pas dépenser, ne serait-ce que 5 euros par mois. Et c'est un minimum. Hein. Les gens vivent pas avec. Il y a des écarts dans les budgets de chaque personne. Donc, à l'année, c'est pas négligeable 60 euros pour beaucoup de gens. Et il faut le prendre en compte. Après, en fait, c'est surtout. Je trouve que l'initiative, dans le fond, est bonne. Après, c'est trash, c'est dégueulasse. Mais au moins, ça fait parler de son truc. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas, à voir. Non. Mais au moins, en fait, souvent dans les mouvements un peu extrêmes comme ça, au moins ça fait parler et ça fait entendre. C'est-à-dire que là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont vu cette vidéo et qui se sont dit « Ah putain, mais j'avoue, les meufs, elles sont obligées de payer leur truc pour pas que la règle coule. » On avait la discussion sur les capotes et effectivement, bon, les capotes sont remboursées depuis peu. Je ne savais pas. Et justement, on a eu la même discussion sur ce plateau. C'était en off, hein, mais parce qu'il y a du coup des filles dans l'équipe. Et pour le coup, on parlait de ça, du fait que les capotes soient remboursées. Et j'étais en mode, bah, c'est vachement bien et tout. Et elles disaient, ah, oui, mais les protections pour les filles, elles ne sont pas remboursées. Enfin, elles sont vraiment rentrées pile dans ce débat. Et j'étais en mode, mais quel est le rapport? Genre, il y en a un qui protège du sida et l'autre qui est certes totalement nécessaire pour les femmes, mais c'est genre deux sujets différents, tu vois. Ça n'a rien à voir. Je ne dis pas que les protections ne doivent pas être remboursées. Oui, non, je bien sûr, ça n'a aucun rapport. Mettre ces deux sujets côte à côte. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. What? Quel est le rapport? Donc, bref, voilà. Mais est-ce que vous trouveriez normal que, du coup, alors c'est difficile, hein, parce qu'on est des mecs et qu'on y connaît sûrement que dalle. Ouais. Est-ce que vous trouveriez normal que les protections pour les femmes soient remboursées? Oui, en vrai, oui, complètement. Bah, c'est vrai qu'au final, on ne s'en rend pas trop compte, mais parce que nous, on n'a pas nos règles une fois tous les 28 jours. Mmh. Alors, après, il y a ce qu'on aimerait, mais 27 quel budget ça représenterait? Parce que c'est pas tout de dire, bah ouais, ce serait bien que ce soit remboursé. Moi, j'aimerais que tout soit remboursé. Ouais, mais en vrai, du coup, tu le trouves où, le pognon? Ouais, mais surtout, du budget, il est relou au final, parce qu'il y a toujours plein d'argent qui fuit, on sait pas trop où, et ce serait facile, je pense, de trouver ce budget juste pour ça. Tu vois, genre, je suis sur le site Marie-Claire, alors je connais pas ce site, hein. Avoir ses règles coûte une petite fortune. On est vraiment le mal oppresseur. Mais je suis un génie. Mais je suis un génie. Et Maïs, ça commence comme Maya. Mais j'essaie de me renseigner, je connais pas. Donc je vais Marie-Claire, mais Marie-Claire c'est très connu. J'en sais rien, moi. Ils nous disent que ça coûterait apparemment 23 500 euros dans une vie, quoi. Pour toute une vie pour une femme qui a ses règles, quoi. Et pour se protéger, quoi. Bah franchement, je vois pas pourquoi on serait contre. Enfin, oui, voilà, en fait, c'est ça. Oui, non, mais la question, c'est pas d'être le budget. Donc, quoi. On serait tous plutôt comment pour, mais bon, comment tu le finances? Bah, écoute, on augmente 5 euros les paquets de clopes. Bah, en vrai. Non, mais gros, il a raison. Il a raison. Mais non. Mais bien sûr que si, gros. Mais alors, ça, c'est trop facile parce que. Parce que quoi? Mais. Voilà. Allez, ferme là. Mais je suis un génie. Mais non. Mais ça... De toute façon, c'est simple. Dès que t'as besoin de financer un truc, tu augmentes les clopes. Non, mais si t'augmentes 5 euros le paquet de clopes, les gens, ça va augmenter le trafic de clopes de contrebande en France. Les gens vont se diriger vers les frontières pour acheter aux voisins belges. Ça va faire des mouvements démographiques. Nous allons faire 20 millions de population, n'est-ce pas? Non, mais gros, Non, mais quand j'ai dit 5 euros, il y a de moins en moins de fumeurs. C'est plus merci. Non, mais bah ouais, ils ont bon. Mais bien sûr, ils sont. Et la meuf qui fume et qui a ses règles pourrait jouer. Elle rembourse soi-même. Mais c'est ça le progrès. Se faire rembourser par soi-même. Quand j'ai dit ça, c'était évidemment une blague. Et l'autre, évidemment, 5 euros. C'est pas... En plus, il y a beaucoup plus de clopes achetées que de protection hygiénique. Pourquoi tu regardes une vidéo d'Elysée? Mais c'est la suite. Arrête. En fait, si tu veux trouver du financement, t'en trouves. Tu vois, genre. Ouais, bah, gros, si c'était si simple, on aurait moins de soucis. Hein. Non, mais je dis pas. Ouais. Mais je sais pas. Mais gros, on serait pas là. Oh, les retraites, gros, comment on va faire toujours... Non, mais regarde, on est toujours en train de... Bon, on va peut-être pas parler politique, non, je sais pas. Bah, mais on est toujours en train de parler du fait que, je sais pas, que les politiques sont, par exemple, trop payés, ou le fait qu'il y ait des dépenses. Tu comprends pas pourquoi il y a tant de dépenses à cet endroit-là. Bon, bah voilà. Non, tu vois. Après, non, mais moi, j'en sais rien. C'est surtout que parler de taxes en plein air gilets jaunes,
c'est assez malvenu quand même. Enfin, je veux dire, les gens sont dans la rue parce qu'ils ils disent que voilà, on est taxé sur tout, les prix augmentent. Ouais, mais un gilet jaune qui a ses règles, il serait bien refait d'être remboursé. Quoi. Au final, ça marche. En fait, tu lui dis dans l'autre sens, tu fais, hey, pour les gilets jaunes, c'est remboursé. De toute façon, le trou de la sucre est tellement content. Tu leur dis pas où tu prends l'argent. Ça... Allons-y, c'est nos fils qui paieront. Moi, j'ai pas de gosse, donc. Payez pour nous. Dans un monde sans air et sans sable. Le et vieux voilà. Con que je suis. Putain. Old cunt. Bon, bah, il est 14. Là, non. En fait, je suis désolé, Menro, mais ton annonce, tu vas la faire demain, en fait. Selon Marie-Claire, selon le site Marie-Claire, ce serait pas 5 euros par mois, mais 18 euros par mois. Je suis désolé, ça varie selon les sites. Ouais, 5 euros, ça me semblait ça faible. Ouais. 5 euros, j'étais là. Ça me semblait non, faible gros, 18 aussi. Euros par mois, c'est pas des tampons, pas. C'est des cotons-tiges à 5 euros. Fais un gros, quand même. Mais t'as tes règles une fois par mois. Un coton-tige, ça dure par an. Mais ça dure. Tu peux le retourner pour l'entendre. S'il y a un flux beaucoup plus. Combien ça rigole, gros. Je sais. Évidemment que ça marche pas. C'est que j'allais plus loin, en fait. C'est mon PC par contre. Non mais vas-y. Le Ubisoft c'est mon PC, il a pas de PC. C'est mon problème. Vrai. Il a qu'à taxer le paquet de cigarettes. T'as voilà. Qu'à pas fumer. Un paquet de Tampax, ça va être, on va dire, les bons Tampax, tu vois, ça va être 5 balles. Genre bon Tampax, garde les semaine, bons Tampax. Les vrais Tampax. Bon, il y a les bons Tampax et les mauvais Tampax. 24 Tampax. On n'y connaît rien, on sait pas combien de temps dure un paquet, tu vois. 24 unités. Tu te changes combien de fois par jour? Tu te changes, si c'est abondant, tu peux aller jusqu'à 2-3 changements par jour, je pense. C'est peut-être plus, j'en sais rien. J'en sais rien, mais selon le site Marie-Claire, c'est 18 Après, euros c'est par pas tout le mois. Hein. Bah, c'est pour ça que 18 euros, ça me paraît énorme. Bah, c'est 5-6 jours par mois. C'est des experts qui parlent tout. Ah bah là, on est au top, là. C'est, Parlons du fromage de bite. On est Oh, le smeg. Oh, c'est trop bon, le smeg. 5-6 fois par mois. Les gens qui se lavent pas, suivez mon regard. Non, par contre, bah, j'avais donné un autre exemple. Alors, un très mauvais exemple, mais bon, évidemment, c'est histoire de parler, quoi, parce que les gars, il nous reste un quart d'heure. Je me disais, bon, les mecs, est-ce que nous, on a un truc qu'on dépense tout le temps parce qu'on n'a pas vraiment le choix et qu'il faut le dépenser et que je suis en mode bah dans ce cas-là rembourse ça aussi au mec. Le seul truc qui m'est venu c'est le temps. On se rase. Oui non mais gros. Non mais, pfff, non, mais... Oui mais ça oui, mais non. je suis pas un exemple. C'est pile gros. Main devant les menottes. Main devant, monsieur. En plus, je ne sais pas. Pardon. Non, mais... Les gars, moi, je me rase les couilles pour madame. J'aimerais que ce soit remboursé, que ce soit vraiment très, très... Non, mais j'étais en mode... Bon, non, mais est-ce que vous avez un autre exemple? Quelque chose que des les hommes fois, font... Des fois, je saigne des gencives, mais c'est tout, tu vois. Bah, ouais, mais non, c'est... Nous, on n'a rien. Sauf que les femmes se rasent beaucoup plus que nous. Hein. Oui, bah oui. Ça dépend lesquelles, oui. Oui. Chacun fait ce qu'il veut. Ça dépend lesquelles. Dans la société. On peut en parler avec Susan Boyle, oui, mais pas sûr. Ce que je veux dire, c'est que dans la société. On va dire dans la société occidentale, le c'est poil ça, gate. C'est beaucoup plus. Enfin, tu peux sortir avec ta barbe, avoir des poils sur le torse ou autre. Une femme, il y en a qui le font, mais c'est que si tu prends la majorité de la population, c'est soit épilation, soit rasage. Oui, je pense que ça coûte beaucoup plus cher. Se rase plus que les ça leur coûte beaucoup plus cher à elles qu'à nous. Hein, oui. De ce... Non, mais évidemment, on est d'accord. Être une femme, c'est moins facile. Par contre, il y a un truc vraiment, c'est que moi, je bois de l'eau. Yes. J'aimerais que ce soit gratuit. Et je mange aussi. Techniquement, c'est gratuit. Tu vas dans un bar, tu demandes un verre, il ne peut pas te le refuser. Yes. C'est 1 centime le litre, l'eau du robinet, au cas où. Voilà. 1 centime le litre, donc c'est pas cher. Et non, c'est que dalle. Et c'est d'ailleurs ça dans un reportage. Il y a un vrai problème avec l'eau parce qu'en fait c'est entre guillemets très peu cher pour nous. Bon, certains pays n'en ont pas, voilà, mais c'est très peu cher pour nous alors qu'en vrai c'est une ressource plus que c'est la ressource la plus importante au monde. Et c'est du coup, il faudrait la rendre plus chère. Il faudrait la rendre plus chère, mais le problème c'est que si tu la rends plus chère, il y en a qui pourront plus en avoir et ils vont mourir. Mais l'eau c'est la base de tout aussi. Tu vois. Mais oui, t'es content de faire vite, t'as de l'eau, mais le robinet, techniquement, pour rationner l'eau, il faudrait. En fait, on en gaspille tout parce que c'est pas assez cher. Ah, mais en même temps, si tu la mets plus chère, et bah, tu ruines des populations entières. Enfin, c'est un micmac. Il faut la rendre plus chère pour les riches. Mais c'est difficile. Si tu en fonction du loyer, tel endroit, ça coûte à peu près tant d'y vivre. L'eau, elle coûte tant. Ah, mais c'est quand même plus difficile que ça. Mais c'est une ressource universelle. L'eau, c'est la base de la vie. Quand on cherche de la vie sur Mars, on cherche de l'eau. Mais c'est un génie. Mais quand on cherche de la vie sur Mars, on cherche de l'eau. Enfin, c'est la base, quoi. Ouais, si tu fais des différences d'accessibilité à l'eau, ça ne passera jamais. Tu vois les douches de ton daron. T'avais raison, le gars. Mais gros, si tu augmentes le prix de l'eau. C'est encore moins cher qu'un centime, apparemment. J'ai dit un centime en mode c'est vraiment pas cher, mais c'est encore moins cher. Tant que Zary, ça me perturbe, mais t'as une crotte là. Ah ouais. Ah, terrible. Ah, c'est bon, les parts. Quel bâtard. Exactement ce truc.
Très discret. Là. T'as là. Une énorme merde ici. Ah non, mais c'est mieux comme ça. Ici, là. Oh, balèze, il a dit. On pouvait juste lui faire ça en off et ça passait. Ouais, non, il n'y a pas grand chose. T'en as besoin. Il y a dans le chat quelqu'un qui proposait un abonnement Brazzers. Mais bon, à part ça, on n'a pas besoin de grand chose. Non, en vrai, l'homme n'a pas d'obligation corporelle. Tu vois, genre. Gaspille pas, Xari. On est des boss. Bon, mais non. En plus, c'était même pas ça. C'était un. Ça fait 20 minutes qu'on meuble. Là, c'est. On va juste pas la faire aujourd'hui, la prog, en fait. Bah oui, on la fera demain. On va faire demain. Oui, on la fera demain. Qu'est-ce qu'il fait, Menro? Ah bah, il y a quelque chose derrière aussi. Non, mais on la fera demain. Il y a Zach en roue libre. Et bah, il y a quoi après? Ah, mais on peut pas la faire demain. Pourquoi on peut pas la faire demain? Parce qu'on n'a pas le sud. Ah bah oui, donc c'est forcément maintenant. Oui. Non, mais demain, on fait le récap, mais ailleurs. Au pire, ramène le fichier PSD, on l'ouvre en live, on s'en fout. C'est non. Chiant là, merde. Je parle tout seul? Bah oui, il nous entend pas. Mais il est là. Mort. Il est là, il nous regarde même pas. Bah montrons mes vidéos, j'en avais une qui finissait tellement bien. Je suis désolé frère, mais. Qu'est-ce que je te dis? Vas-y, je vais copier, vas-y. Mais... Casse les coups. Mais. C'est chiant. Je crois que j'ai déjà copié en fait. C'est quoi? Vas-y, il y en a deux, bah vas-y, mais. On se marie. Yes! Alors, on va parler du coup de deux petites vidéos parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps normalement, puisque c'était censé être après la prog. Et j'ai trouvé deux génies. On va commencer par le génie voyant. Est-ce que vous croyez peut-être à la voyance? Pas du tout. Du déjà-vu peut-être? Ah si! Déjà-vu, oui, mais oui. Voyance, non. Ah, déjà-vu, si, ça nous fucked up tout ça. Je crois que j'ai jamais eu d'impression de déjà-vu. C'est peut-être ta première vie, c'est tout? C'est un génie. Est-ce que vous êtes déjà le silence était tellement long. Il y a un mec, il s'est dit là je le sens, il va se passer ça. Vidéo en image. On voit rien. Yes. C'est normal, ça va arriver. C'est à Los Angeles. Donc il est tranquillement en train de se balader sur. Oh, il écoute la musique de Shrek. Ouais, oui. Oui. Il est tranquillement dans la rue et là il avance. Et il se dit, non, c'est bizarre. Il recule. Oh. Enfin, il se recule, il dit, c'est bizarre. Il se dit, il sent le truc. Ça, c'est un petit peu. Ah, il a bien fait son machin. Le boss. Bah, il a pris. Il le sentait tel un chat ou les oiseaux qui sentent la météo avant nous. Qu'est-ce qu'il fout là, le camion à gauche? Je sais pas ça. Bah, il est à l'arrêt, quoi. Il est au feu. Ouais. Non, c'est juste le boss. Okay. Il a senti des mauvaises ondes de karma arriver. Le boss. Et voilà. Maintenant qu'on a vu un vrai génie, je vais vous montrer. Putain. Vous savez les images de mèmes là avec 9gag où il y a les cerveaux. J'avais une image très marrante d'ailleurs avec les manettes de Smash Bros. La dernière image c'était la Pokéball là, du jeu Let's Go Evoli. Bref. C'est très drôle quand tu expliques. C'est très nul. Bref. Pas maintenant mal. On va voir le vrai génie qui vient de sortir sa chaîne YouTube qui s'appelle. Je crois que je sais plus le nom mais c'est marqué au tout début. Flagrant délit. Oh putain. Non. Hugo, approchez-vous tous les deux que Menro se mette à... Il va se mettre à côté de nous. Attends, non, bah c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait ce con, là? Des pranks. Oh, il est incroyable. Il révolutionne le prank. Mais c'est vieux, ça? Non. 5 février. Je l'ai vu sur Twitter il y a plusieurs mois. Ah bah c'est, en tout cas c'est une nouvelle. Attends c'est vraiment. Ça s'appelle Flagrant délit et c'est ça qu'il fait. C'est une nouvelle chaîne YouTube en tout cas. Ce qui est drôle c'est qu'il fait les pranks et personne ne le reconnaît. Il est déjà mort le gars donc c'est compliqué. Mais c'est HM, c'est normal. Le montage est ouf hein. Non il a non. Pas l'air. Regarde celle-là c'est la meilleure. Ellie dans la semoule là carrément. Super drôle ça. Attends, attention, la fin, l'outro. Il n'y en a pas. Voilà. Je sais pas, c'est sur une nouvelle chaîne combien YouTube. 500. C'est sur une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Fragrant Délit. Donc je sais pas si c'était old et qu'il y a un mec qui s'est amusé à faire une fausse chaîne YouTube avec cette merde. Bah, il a l'air vieux quand même sur le truc. Donc. Oui, mais. Donc c'est pas si old. Enfin, okay, ouais. Non, mais ça date. Mais voilà, donc je suis tombé là-dessus, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le comeback de Ellie Semoun. Ellie, c'est terminé. Après le copie comique de Gad Elmaleh. Voilà, donc. Il y a une deuxième partie qui est sortie sur YouTube, si vous voulez. Ouais, j'ai regardé. Il y a les gaderies.
J'ai les gadrilles avec Titoff. Ah, c'est voilà. Terrible. Il faut avoir un menton bien fixé pour piquer des blagues à Titoff. En vrai, celle de Titoff était pas. En fait, ça me fait penser un peu aux podcasteurs. Mais... Tu sais, ils disent tout le temps la même chose dans un mode. Oh là là, le matin, je sais pas si vous, ça vous fait pareil. Oh là, c'est dur de me lever. Oh là là, le réveil, il me fait chier. Hein. Ouais. Attends, mais Gad, voilà. Il a piqué des blagues à Titoff. Ouais. Oui. Et Dieu, Titoff, et Dieu donné est aussi. Français. Oui. 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 Et personne s'en est rendu compte. Bah non. Maintenant, bah, oui. Non. Maintenant, oui. Est-ce qu'on est sûr que c'est pas un truc qui a été acheté, deal ou... Non. On n'en sait rien. Payer. C'est juste que... Non, parce que sinon, il l'aurait dit. Il l'aurait dit pour se défendre instantanément. On n'en sait rien. C'est juste que ça se voit que le mec pique des idées et tout à beaucoup d'humoristes, qu'ils soient québécois, français, américains. On va dépasser, de toute façon. On va dépasser, sachez-le, hein, évidemment. La prog. Salut Monroe. Bon, il n'y a pas de jingle. Non, mais je sais qu'il n'y a pas de jingle. Bon, déjà, est-ce qu'on peut s'excuser? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bordel? Il s'est passé que les ordinateurs de la prod des graphistes à côté n'a pas assez de RAM pour supporter un document Photoshop avec autant de calques. Ah. Autant de calques parce que autant d'émissions. Tu veux qu'on dise quoi? Je suis désolé de te dire que cette excuse me convainc pas. On est au niveau pourtant, de mon chien. C'est soit mon que le fichier est très mal fait, soit qu'ils ont vraiment des PC nuls à chier, non, soit qu'il a commencé trop tard. Manque d'organisation. Allons-y. Allez. Alors, si je suis effectivement sur ce plateau, c'est pour vous parler de cette grille. Évidemment, vous l'avez vu. La grille qu'on a eu la pertinence de faire avec Rizzo et David ce matin, évidemment, c'est du troll. La vraie grille, donc, ça commence comme ça. Voilà, c'est une jolie grille toute vide. Je vous propose qu'on mette directement ce qui ne change pas. Voilà. Et merde. Ça ne change pas. Attends, gros, tu vois, ça change pas. Non, c'est à ce moment-là, en ce moment. Okay. Oui, hier ça changeait, mais aujourd'hui ça ne change plus. D'accord. Yes. Et des surprises pour vous aussi sur ce plateau. D'accord. On va apprendre des trucs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même en janvier, on n'est pas en septembre. Septembre, c'est là où on fait la nouvelle grille. Là, on est sur l'évolution de la grille de septembre, où on va pouvoir rajouter des choses qu'on n'avait pas pu faire depuis ces 3 mois. On a certaines émissions qui ont été arrêtées aussi, vous le savez. Du coup... Vous voyez aussi que le récap, par exemple, il n'est pas fini. Affiché. Terminé, c'est le dernier. Yes, c'était le dernier récap. Non, il y a demain. Yes. Donc, mais non, il n'y a pas le studio. Ah bah c'est oui. Il y a un récap, mais il y a un récap, mais en mode travaux. En mode voilà, ça c'est encore un autre débat. Donc voilà, ça ne change pas. First Team toujours le lundi et le vendredi. Zulu IRL, on change pas. Une équipe qui gagne. Une équipe composée de lui. Hein. Oui, mais des fois avec regarde sur la chute libre avec Max ce matin avec. Tout le monde sauf toi, Xari. Voilà, bah c'est ça qui me dérange. Voilà. Ça me fait Je devrais l'appeler sans Xari IRL. Ouais, donc on le voit aussi, il y a le retour de la musique. J'ai eu pas mal de demandes là-dessus. La musique revient dans une formule légèrement qui a un petit peu évolué. Vous le savez, Alicia a préféré, continuer un petit peu plus en solo donc du coup elle n'est plus avec nous mais la musique va repartir. On aura le plaisir d'avoir Dina que vous avez vu plusieurs bien fois manger. Voilà donc Dina qui prendra le rôle de l'opposé le chef d'équipe opposé à Max et la formule qui va un petit peu évoluer vous le verrez en mieux, on espère. Vous nous direz ça évidemment dès vendredi prochain. DBZ Car Game, Yu-Gi-Oh! Évidemment, ça reste là. Les jeux de cartes à 20h, il me semble, oui, ça ne change pas. Le Ring Kotaye Kameto, Skyheart sur Fortnite le mardi soir. Wankil et le Prime. Alors, le Prime, le Grand Prime, le Petit Prime. Peut-être le retour du Colisée, des émissions comme le Qui veut gagner des Bitcoins, tout ça. Ça, c'est le mercredi soir. C'est toujours pareil. En plateau, pareil, qui ne bouge pas. Qui reste là. Je vous propose d'enchaîner directement avec la deuxième image, avec ceux qui changent juste d'horaire. Oh. Ah, des petites transformations. Voilà, donc il y a des petites choses qu'on connaît déjà, mais qui changent d'horaire. Donc, si on fait dans l'ordre chronologique, on va avoir les défis du lundi, qui étaient les défis du jeudi jusqu'ici. Donc les défis du lundi, voilà, je vous le rappelle, c'est Norman Genius qui lance des défis à d'autres streamers et d'autres animateurs et d'autres talents. Et ça se précise pour avoir l'équipe du Recap eSport qui va souvent se donner comme ça des petites compétitions. Donc il y aura du Lutti, il y aura du Skipper, des fois du Sahelind et d'autres invités en l'occurrence. On n'a plus Prince le mercredi en ouverture de grille. Vous l'avez vu, Prince a rencontré quelques difficultés à assurer tous ses créneaux. Donc plutôt que de dire au revoir directement à Prince, on a préféré avoir une case stream solo. Dans la case stream solo, on va pouvoir essayer de travailler avec des nouveaux talents.
Donc c'est le cas sur ce créneau. Des fois il y aura du Prince, des fois on aura d'autres streamers qui travaillent pas encore avec nous et à qui on veut donner la chance de pouvoir peut-être s'intégrer. Voilà, donc ce sera des one shots, mais en tout cas ce sera toujours un créneau qui sera tenu par quelqu'un en stream solo. Vous le savez, c'est le moment où nous on est en réunion pour imaginer tout ce qu'on fait sur la suite. Okay. Vous envoyez tous vos CV en lâchant un DM à Menro. Non, faites pas ça. Je rigole. Parmi les changements d'heure, on a évidemment les streams de nuit avec Azox et Nems. Donc il y aura peut-être des petites modifications, notamment sur le samedi, parce qu'avoir le samedi tous les soirs, c'est quand même un petit peu compliqué. La team qui est un petit peu plus tôt aussi, à 17h le mercredi, ce qui veut dire que Nameless nous rejoindra en cours d'émission. Puisqu'il travaille, vous le savez, le reste de la journée. Les Zinzins et Mensonges et Trahison qui permutent, tout simplement pour des histoires de logistique, en fait. Vous le savez, on n'a pas beaucoup de plateaux ici, et quand on est en retard sur les émissions, c'est souvent parce qu'il faut faire des changements de plateau. Donc pour éviter d'avoir comme ça des changements de plateau où on fait deux émissions à la suite, on essaie d'alterner les plateaux. C'est juste pour essayer d'être moins en retard à l'avenir. Vous savez que c'est notre challenge et on essaiera de le faire. Le jeu de la semaine. Pas, mais on va essayer. Le jeu de la semaine, le vendredi, ça dure une heure. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'ancien level up. C'est-à-dire qu'on s'est dit tout simplement, on est con de faire ça le mardi soir, alors que le vendredi, c'est jour de sortie. Voilà, ça nous permettra. Après, le mardi aussi, c'est pour ça qu'on l'avait mis là à la base. Mais c'est vrai que voilà. Ça a changé un petit peu. Mais voilà. Comme ça, on n'aura pas à se poser de problème. On n'aura pas de problème sur. On a le droit de le streamer ou pas ? Oui, en fait, oui. Le jeu de la semaine, c'est le jour de la sortie, donc on pourra y jouer. Là-dessus, on aura essentiellement Max, Hugo, Magla qui tourneront. Des fois, on aura, selon les jeux, du Ponce, du Xari ou d'autres, évidemment, du Genius, selon quel genre de jeu c'est, etc. Zach, par contre, va passer le week-end. Ce ne sera plus le vendredi en fin de journée, mais le samedi 20h. Ce sera essentiellement enregistré, je pense, puisqu'il n'y a pas d'interaction avec le chat. Et vous allez voir pourquoi, parce que nous, on avait besoin d'avoir de la place en semaine pour vous proposer d'autres choses en plateau avec toutes les équipes, les talents et les régisseurs. On peut passer à l'image qui suit. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, Hugo? Qu'est-ce que c'est cette case? C'est de l'argent. Nouvelle case que j'aimerais pendant quelques semaines consacrer à la VR et plus particulièrement à la PlayStation VR. Ce sera alterné une semaine où ce sera vraiment du gameplay sur de la VR. Et l'autre semaine. Exactement. Mais du coup, cette semaine là aussi, on aura des intervenants. Notamment, j'aimerais bien avoir Marcus, vu qu'il aime beaucoup la VR, pour en parler de tout ce qu'il y a en nouveauté, de tester les trucs, voir si c'est vraiment fiable, si c'est vraiment. Moi, si cool, y a un jeu de tir à l'arc, je suis chaud. Eh ben, je te ferai il y a bien. Des jeux de tir à l'arc. Bah, on fera à peu près tout de l'horreur de la simu. Je prends 50%. Non, hors de question. 20. Ok. C'est bon. En gros, il y a 8 émissions qu'on va faire. On alternera. Soit on va tester un genre de jeu en testant plusieurs jeux, soit browse un peu plus l'actu, effectivement, en essayant d'avoir le maximum d'invités. Et voilà, et c'est Hugo qui sera le maître de cérémonie de ce créneau. Et une fois qu'on aura terminé, c'est là où on va se repencher sur les émissions rétro. Ouais. Ce sera à peu près sur ce créneau, histoire de garder une logique. Une logique de personnalité. Vous savez que le vendredi, vous retrouvez Hugo pour parler jeux vidéo, par exemple. Image suivante. Personne ne rebondit là-dessus. On te laisse à table. À table. C'est le créneau à table. À table. À table, c'est une nouvelle émission, un nouveau concept. Vous le savez, on est en travaux à partir de vendredi pour. Demain. Pour ce plateau-là, mais ce n'est pas les seuls travaux qui vont arriver. Et on va récupérer une cuisine qui sera plateau cuisine très vite. Et, très vite, mais ça veut dire que. Mais pas la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, non. Là, je vous parle de la grille type qu'on va faire. Évidemment, toutes ces émissions ne vont pas toutes se lancer dès le premier jour, dès lundi. Et la semaine prochaine, à table, par exemple, c'est Zankyo qui sera en créneau, puisque Zankyo était un petit peu absent de la grille pour des petites raisons de santé, va bien. Donc, il est de retour à table. Et donc, sera sur ce créneau tant que l'émission à table n'est pas lancée. À table, qu'est-ce que c'est? C'est encore en négociation avec les gens que vous avez autour de la table et les autres. Mais en gros, j'ai très envie de proposer une recette à deux talents à chaque émission, tous les ingrédients, et ils se débrouillent pour faire la meilleure recette possible. Et puis on fera le vote du public, on verra comment on organise tout ça. En tout cas, ça devrait partir courant du mois de mars. Voilà, par exemple. Émission suivante. Ponce by Night. Ponce la nuit. Qu'est-ce que c'est ça, disons, mon cher Ponce? En fait, ça va être une émission IRL. Donc je serai avec le backpack et à chaque avec fois. Avec Zoulou je serai...
Non, ce c'est nul. Oh, demain, c'est nul. Bah, en fait, à chaque fois, je serai avec quelqu'un et on verra avec cette personne où est-ce qu'on va. On ira soit dans des restos, soit dans des bars, soit dans les deux, soit dans des clubs. Enfin, on ira se balader. Pour dans Paris. Dans des clubs. Ouais, bah, forcément, à côté de Paris. Apparemment, on mettra pas Zoom dans les clubs. Hein. Lui, il colle la petite. Hein. Il colle la petite. Xari, tu confirmes pour le premier? Je reviens vers toi, mais je serai l'un des premiers. Peut-être pas le premier parce que j'ai eu un. Mais l'un mais des voilà, premiers. Voilà, on en reparle. Non, je serai peut-être okay. pas là, en fait. En gros, dès vendredi prochain, François Honnête. Pense la nuit. Yes. Voilà. Donc, je vais pas répéter, hein. Tu seras dans un bar, dans un resto, avec un invité, en mode interview, un peu pourquoi tu m'as amené là. pour les plus vieux, si vous connaissez Paris dernière. En fait, le côté gauche de la table, c'est un peu cette ambiance-là. C'est le stand perroquet, quoi. Ça va aussi. Ils sont là, ils répètent 15 fois. Allez, c'est les connards. Image suivante. Voilà. Image suivante. Image suivante. Le week-end sur le stream. Le week-end sur le stream, c'est l'e-sport. C'est les teams e-sport en gros qui vont prendre l'antenne. Donc vous le voyez, l'équipe Rainbow Siege, l'équipe mais Fortnite Menro, en duo. Il y a un point d'interrogation. Et l'équipe Fortnite en squad. Qu'est-ce que? Effectivement, il y a un point d'interrogation. Et nous, on le sait tous autour de cette table, et vous non. Et vous ne le saurez pas tout de suite. C'est pourquoi nous vous donnons rendez-vous mardi prochain dans le récap pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce point d'interrogation. Oh là là. Voilà, je vous laisse délibérer. Hein. En attendant, le mardi soir, vous l'avez vu, une semaine sur deux, notre ami Jiraya fait l'Octogone. L'Octogone où il reçoit des joueurs pros de la scène Super Smash Bros Ultimate. C'est du tournoi, il y a du cash prize. Et donc, c'est avec notre ami Xari aussi. Yes. C'est une semaine sur deux. C'est l'Octogone, en fait. C'est l'Octogone. Ça va rester donc... dans la nouvelle grille, de manière vraiment établie. Ce sera en alternance avec une autre émission qui s'appelle La Libre Antenne. Et oui, La Libre Antenne qui sera hostée par nos amis Zankyo, Hugo et Jiraya, plus invités évidemment. Ouais. Vous savez qu'on avait déjà voulu faire ça depuis un petit moment et on n'avait pas pu le faire pour des raisons techniques, des raisons de... Voilà. Ouais. Là, on va le faire en hebdomadaire, mais toutes les deux semaines, en alternance, donc avec l'Octogone de Gigi et de Xari. Le but, c'est d'avoir des sujets différents à chaque fois et d'avoir des invités, comme tu l'as dit. J'ai demandé hier à un certain Kamel, qui serait notamment chaud, pour venir. Et le but, c'est d'alterner toutes les semaines, d'avoir des invités différents. Donc, et hâte de faire ça avec les gants, en tout cas. Là, je vois nos copains de First Team qui commencent à faire des émissions où ils peuvent recevoir des appels vraiment directement. On va essayer d'aller par là aussi. Voilà. Donc, vous pourrez peut-être poser vos questions. Ça arrive très, très vite sur le stream. Image suivante. League of Legends, une émission sur League of Legends, ça fait longtemps que on y réfléchit, on hésite. En tout cas, ça arrive. Pense, est-ce que tu peux nous en parler? Bah absolument pas. Du coup, c'est pas. C'est l'émission Sky et je sais. On va jouer à LoL. En gros, il fallait des gens. Moi, je suis chaud en vrai de jouer à LoL avec Sky. Donc go. Après, je sais pas exactement ce qu'on va faire. Faut qu'on en parle. On est en train de monter un truc. Il m'a dit. Est-ce que tu peux leur dire ça? Donc je vous répète. Il m'a dit. En gros, l'idée c'est d'aller jouer en Fer 4. Tout le monde savait qu'il y avait une division Fer dans League of Legends. Je savais pas. J'ai arrêté depuis tellement longtemps. Ouais. Du coup, en gros, c'est l'équivalent de. C'était quoi? C'était Bronze 5 SOS Bronze 5. SOS Bronze 5 que faisait Sky. Il le refait, mais encore plus bas. Quoi. L'idée, c'est vraiment d'aller démonter des mecs qui ne savent même pas que clic droit, ça sert à bouger. Et puis bon, quand même. Voilà. Du coup, voilà, League of Legends, c'est de 13h à 15h avec Sky c'est bien clic droit, hein, pour bouger. Et des invités. J'ai un doute. En mode SOS. Bon, montre-nous le récap, là. Ah, il n'est pas encore. Le public boue. Image suivante. Oh, ce n'est pas le récap. Vince Magic. Ce n'est pas une émission magie. Je vais pas y arriver. Une émission magie avec Vince. C'est une émission sur le jeu de cartes Magic, puisqu'on a vu que Club Yu-Gi-Oh ça fonctionne très bien. C'est en test. Hein. Que DBZ ça fonctionne aussi. Du coup, on va aller vers Magic. Donc, ce sera soit jeu de cartes, soit Magic Arena. Arena. Donc, c'est en test. On va commencer par le jeu de cartes physique et en fonction du succès que ça aura. Et surtout, je vous le cache pas.
du kiff que nous, on va prendre autour de la table. Qu'on se fait, je t'attaque. Avec ma montagne, je t'inflige deux. Je bloque. Ben non. qui on pourra voir dans cette émission, les gars? Bah, alors, ce sera notamment autour de... En fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, sur un jeu de cartes précis, il y ait, entre guillemets, un représentant ou quelqu'un sur qui on va un peu plus s'appuyer pour que l'émission soit propre. Comme toi, DBZ. Sur DBZ, Zulu, Yugi. Gère. Sur Yu-Gi-Oh, c'est plutôt Zulu. Okay. Sur Magic, a priori, ce sera Poncelet, puisque on a appris en le découvrant dans ses bureaux ici que, bah, en fait, il kiffait le jeu, qu'il avait Mass Deck et tout. Enfin, il est pas très du fort. Du coup, hein. on va lui un peu lui mettre ça sur les épaules. Je vais te mater. Bah, démerde-toi pour que ce soit bien, en fait. Voilà. Yes. Bon, on verra ce que ça donne, mais oui, il y a Xeria avec moi, et puis il y aura d'autres personnes, donc voilà. Évidemment, on sera aidé par quelqu'un dans l'ombre qu'on vous présentera. Peut-être si je le sais que Là aussi était intéressé pour venir faire des parties avec vous. Tout le monde est le bienvenu, de toute façon, dans toutes les émissions de cartes. Le seul truc, c'est que faut réviser un peu avant, parce que quand tu viens et que tu connais pas du tout le jeu, c'est un cauchemar à regarder. En témoigne mes premières émissions Yu-Gi-Oh. Après Magic, c'est plus simple à comprendre. Mais... Oui. Vous me confirmez, que ça se lance la semaine prochaine, ça. C'est la première, c'est jeudi prochain, 20h. Oui. Image suivante. La peur. Alors oui, en termes de nom, on est toujours aussi bon. Oui. On avait pensé à plusieurs trucs, mais finalement, on a suivi la logique, la ligne édito du stream. Hein, donc, ce sera la peur. La peur, ce sera Trinity, Magla et Hugo. Tu peux nous dire un peu ce que vous avez prévu? Bon, en gros, on va parler de légendes urbaines, de tout ce qu'il y a dans le paranormal, etc. Et il y aura aussi du gameplay pour vous présenter des jeux d'horreur différents toutes les semaines, vu que on sait qu'il y en a qui sont clients. Vous voulez pas faire de l'urbex? Justement, il y a des projets aussi autour de ça. Mais ouais, on a dans l'idée, Magla avait dans l'idée de faire ça, et Trigné aussi, de tourner des trucs d'urbex et de les diffuser en fin d'émission. Du coup, on va essayer d'organiser ça au plus vite. Ma salle de bain est tentée, perso, si vous voulez. Par le rire de Florian. Mais du coup, dans l'idée, c'est ça, c'est paranormal, légende urbaine, creepypast, et gameplay de jeux d'horreur et tout ça. Avec invité des fois aussi. Avec invité aussi, ouais. La peur, donc oui, effectivement, il y a ce côté urbex, c'est-à-dire que nous, on va essayer d'organiser un tournage d'un truc qui durerait 1 à 2 heures, et on vous diffusera à chaque émission un épisode. Enfin voilà, c'est l'idée pour clore l'émission. Ce sera un peu ça. Ce sera évidemment l'émission, elle commence la semaine prochaine. Le côté urbex, etc., ça arrivera dès qu'on aura pu faire ce tournage très rapidement. Laissez-nous tout lancer. Non, ça va arriver vite. Image suivante. Bam. Oh, oh, mais quelle surprise! Il y avait une ligne tous les jours qui était vide. Non, le récap. Bien, notre émission qui marche le mieux quand même. Le récap reste là et on a entendu que vous aviez beaucoup de, vous êtes beaucoup à nous dire. Ouais, mais quand moi j'arrive, le récap est déjà commencé. Donc voilà, on vous a écouté. On tente le récap. C'est 1h30 comme aujourd'hui. C'est une heure et demie. Parce que c'est vrai que ça fait. Ouais. C'est tipetis. Mais les gars, il n'y a rien de changé. C'est juste qu'on est plus tard. C'est plus tard. De 18h30 à 20h. 18h30, 20h. Vous avez le temps de vous poser, de chier, de prendre votre goûter, de nous regarder. Tous les jours, avec un invité par jour. Le vendredi, par exemple, vous aurez Dina. Je sais que Zankyo est motivé, il faut encore voir quel jour il veut faire avec vous. Il y a une chronique skate, je crois. Il y aura des invités, mais parmi les membres de l'équipe qui seront là. Genre tous le lundi, ce sera toujours la même personne qui sera là, comme on a Vince par exemple, ouais. etc. des nouvelles rubriques peut-être aussi? Oui, mais je les ai pas en tête, donc c'est chiant là, tu me mets dans la merde. D'accord. En tout cas, le récap qui se poursuit, notamment avec le partenariat qu'on a fait avec Pringles, puisque vous aurez par exemple le mardi. Il y aura un nouveau plateau surtout. Il y aura un nouveau plateau surtout, tous les jours, mais le mardi il y aura du Playlink Challenge et le jeudi on aura le micro-trottoir que va nous faire Jules à chaque fois. Ah, c'est de ça que tu voulais parler. Mais oui, d'accord. Mais oui. Tout simplement, pour le rappeler. Sans faire durer le suspense, on va dévoiler l'image suivante. Voilà, le récap e-sport, le récap ciné, le récap série qui continue. Qui sont juste intervertis avec le récap tout court. C'est quoi le dernier récap? Oh putain, j'ai pas pensé à cette vanne, tellement. Pour de quoi? On est sponsor par Pringles. Et alors, à chaque lancement, il fallait dire « on va manger !» Des chips! Génial! Donc il voilà. Faut avoir la référence, bien sûr. Le récap e-sport qui sera donc un peu plus tôt. Et vous aurez donc Lutti, Genius, Jules et toute l'équipe qui seront dans les défis du lundi et qui seront directement là pour enchaîner sur le récap e-sport. Le récap ciné, ce sera un peu plus tôt. Le récap série, ce sera un peu plus tôt. Mais sinon, si vous n'êtes pas là, pareil, vous pourrez les retrouver sur YouTube. Et dernier récap thématique.
Max, est-ce que tu peux nous présenter Et les chips. Non, je suis sans les chips. Et sans chips. Ils ont, ils ont 12 ans, ils n'ont pas la ref, c'est chiant. Nouvelle image. La classe américaine. Est-ce que tu peux nous présenter le récap et bien gaming. Le récap gaming, évidemment, qui devra arriver très bientôt, normalement vendredi prochain, en fait, avec bien des invités de renom, puisque le but, c'est, ça fait longtemps qu'on voulait faire ça, c'est toujours très compliqué à faire, parce qu'évidemment, personne n'a le temps, mais on va les forcer, en fait, hein, je m'en bats les couilles. L'idée, c'est d'avoir des gens de différents rédactions et horizons pour venir échanger autour du jeu vidéo. En gros, c'est de faire un récap ciné, mais autour du jeu vidéo, et avec pas que des gens qui sont de le stream. On peut aussi, l'idée, c'est d'avoir des gens de jeux actu, de jeuxvideo.com, de IGN. Ça, c'est pour les gens qui sont en interne, puisque tous ces sites appartiennent à Webedia. Mais on aurait évidemment grand plaisir à avoir des gens comme Gamekult, Julien Chiez, etc. Ça dépendra des sujets, des invités, de ce qu'on arrive à avoir. Sachant que Gamekult, c'est les plus relous à choper, bien évidemment. Si vous me regardez, on vous salue. Et sur ce, eh ben voilà, on a hâte que ça commence, évidemment, parce que l'idée, c'est de parler de jeux vidéo avec des gens qui s'y connaissent vraiment. En vrai, ça fait... Et de confronter des avis. C'est ça, c'est-à-dire que depuis que les web télé existent, en gros, on a à chaque fois l'émission Talk Gaming... Chaque média a le sien. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des confrontations de ligne éditoriale où chacun journaliste, chaque influenceur de différents médias vient bah, justement défendre sa ligne édito face aux autres. Donc, par exemple, vous avez mis 14 à tel jeu, vous avez mis 18, parlons-en. Voilà, voilà, c'est l'idée. Bref, voilà, ça s'annonce fort intéressant. On a bien hâte que ça commence. On espère que cette prog, évidemment, vous fait kiffer, qu'il y en a pour tous les goûts. A priori, on est censé avoir pas mal écouté ce que vous aviez demandé. Alors oui, vous êtes nombreux à dire « Oui, mais le récap serait bien qu'il dure plus longtemps. » Alors le truc, c'est que bah, c'est compliqué. Faire durer une émission comme ça plus longtemps, ça veut dire bah, plus de chroniques, plus de préparation. Et le temps de prépa, c'est ce qu'on a le moins. Donc on va déjà essayer d'avoir une heure et demie parfaitement bien rempli, qui déborde jusqu'à la gueule, et quand on aura ça tous les jours, bah, peut-être qu'on pensera à durer plus longtemps. Et autre chose à préciser aussi, Gigi ne fait plus son créneau le vendredi. Pourquoi ? Parce qu'il préfère venir avec nous tous les mardis, du coup, et non pas une semaine sur deux. Du coup, vous verrez Gigi mardi et mercredi toutes les semaines maintenant. C'est ça. Et il aura en fait, c'est une bonne nouvelle. Il est là un peu moins le vendredi, mais pour être là beaucoup plus le mardi. C'est lui qui a voulu. Hein. Plutôt que d'avoir Gigi qui faisait 2h, 2h30 le vendredi, bah vous avez 8 heures de Gigi en plus en groupe dans les émissions du mardi. Bon. Je pense que l'un dans l'autre, on s'y retrouve. On y gagne. Ouais. On y gagne fortement. Voilà. Bref, voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce nouvel prog. Ça, c'est la prog type. Encore une fois, je le répète. On va mettre à jour le site de manière à ce que ce qui se passe vraiment la semaine prochaine arrive. On va enlever l'aviron et le scrapbooking. Voilà. Donc, tout ce qu'on vous annonçait là ne sera pas directement là la semaine prochaine, mais très rapidement. À table. C'est le meilleur mot de la fin. C'est la fin de ce récap. J'espère que vous avez kiffé. Dans quelques instants, c'est le récap. Les chips. Le récap série. Ah oui, c'est le récap série. C'est vrai, j'ai complètement zappé que le jeudi c'était ça. Donc restez avec nous pour le récap série et à demain pour un nouveau récap. Mais ça va être un peu différent le décor. Mais ça va être à chier.